Bonjour à toutes et à tous, c'est Zorak Vos et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Crusader Kings 3, évidemment avec l'extension, je me souviens plus du nom, Royal Court, voilà, Royal Court, évidemment, avec notre aventure avec Styrkar, le viking, le Jarl Styrkar. Alors, dans la dernière session, qu'est-ce qu'on avait fait? Bon, on avait commencé à créer notre royaume, à le manager. Et nous avions, après quelques batailles, moult guerres, réussi à créer une zone assez puissante en pays nordique, tout simplement. Et nous avions perdu, malheureusement, notre fils en bataille à l'âge de 18 ans. Il était mort parce qu'il avait, il nous avait aidé, tout simplement, à repousser des pillards. Il était mort pendant la bataille où on avait affronté ces pillards, malheureusement. Les pillards qui venaient de ce pays de merde, qui en plus est en plein milieu de mon territoire, donc qui me gâche la vue et qui a osé me piller. Ces connards qu'on ira défoncer quand ils arrêteront d'avoir cet allié-là. Sauf qu'ils ont un double mariage, aucun mariage, voilà, avec eux. Donc soit j'attends qu'ils se fassent démonter, soit je prendrai les armes à un moment quand je serai un peu vénère. Mais ça c'est autre chose. Alors, on avait quelque chose à faire du coup. Ah bah non, désolé madame. Vous êtes un peu nulle. Quoique 14, ouais mais elle peut pas être... Si elle peut. Incroyable. Ça c'est cool ça. Déjà on a plus 100 d'opinion avec elle. Je suis pas seigneur liche, pourquoi? Ah faut que je déteigne le duché. Ah mais je peux en créer un. Alors malheureusement je pourrais pas encore distribuer les duchés et je vais pas le créer. Parce que vu que je suis que moi-même duc, et bah si je le distribue, bah en fait je vais laisser quelqu'un simplement avoir le même titre que moi. Il va falloir que j'attende des trois pour pouvoir commencer vraiment à avoir des choses intéressantes. Du coup, mon deuxième fils, j'ai pas choisi qu'est-ce qu'il va avoir comme titre. Ouais, Martial aussi. Hein. Les deux premières régénérations, pratiquement, ça va être que du Martial. Le but vraiment de s'étendre et de réussir hein, là où nos ancêtres ont échoué, tout simplement. Déclarer la guerre, oui. Créer le duché, donc ouais, non. On avait dit non. Alors, j'ai regardé que lui, donc qu'on avait déjà affronté, hein, qui nous avait un peu emmerdé, il est plus qu'à 37 soldats. Alors, il a double alliance, mais ses alliances le mettent qu'à jusqu'à 1500 soldats. Nous, on en a 2009 de base. Il a moins 40 de thunes, donc il est vraiment pauvre. Je crois que je l'avais combattu d'ailleurs en un contre un de type voilà. Donc je pense qu'on va aller lui péter le cul. Mais avec courtoisie, évidemment. Péter le cul de quelqu'un, oui. Avec courtoisie. Alors, le comté, non, du coup, duché. Hein. 125 points. C'est parti. Donc il va avoir deux alliés, normalement. C'est parti. Ah voilà, hop, il a deux alliés. Oh, le Jarl Ragnar Aesirston. Voilà. Attention, monsieur. Ah bah j'ai gagné. C'est une blague. Oh la tristesse. Oh la musique, calme-toi, on est plus en guerre là. La musique elle veut pas. On va donner à qui? On va donner à la meuf là. Elle est où? Là, elle. Bah, je vais donner. Pourquoi j'en ai toujours 5 du coup? Ah oui, parce que c'était deux comtés qu'on a chopé. C'est qui dirige? Ah, c'est moi ici. Mais d'accord, je dirige tous les trucs ici. Mon fils, il a quoi? Oh. Ouais, par contre, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de rébellions ici, hein. Beaucoup d'événements.
Ouais, il est K4 sur 2. Du moins qu'il soit duc hein, pour pouvoir les gérer. Il va peut-être falloir en passer à d'autres. Hein. Donc, elle agita 2 sur 4. Je l'aime bien. Allez, on va lui donner ça. Capitale Comtal. Ah! C'est la petite capitale Comtal. Tout ceci est intéressant. Donc c'est pas ça la capitale Comtal chez moi. Ici c'est la capitale du pays. Donc là la capitale Comtal. On va pas lui donner du coup. Peut-être donner ça. Capitale Comtal. On se fait attaquer là. Aventurier viking. Ça te faire quoi eux? Pas de commandant. Armée neutre. Ok. Parce qu'elle fout chez moi, mais bon. Je cherche à comprendre. Bodvar. Bodvar, il en a combien des terres? Il en a deux. Je vais donner à Bodvar, tiens. J'aime bien Bodvar. Je vais donner ici. Bodvar. Il est où Bodvar? On l'aime tous Bodvar. Il est beau gosse Bodvar. Même s'il commence à avoir pas mal de titres. Hein. Le con. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme news? Déclarer la guerre. Qui titres peuvent être créés? Ah, royaume de Norvège. Oh, faut 250 thunes. J'ai pas l'argent. Bientôt. 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 Et comment se faire de l'argent? Eh ben, c'est aller en guerre. Évidemment. Alors, lui, il est en guerre. Ah non, il se défend. Oh, ce serait parfait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, eux, j'ai envie de les défoncer. Parce que c'est des connards. Oh, ils sont en guerre. Contre qui? Ah, il sait pas, oui, évidemment, ils se font aider. Alors. Oh, ça serait magique. Lui, il va perdre des soldats avec sa guerre. Ce qui serait parfait, c'est eux, ils sont combien? Ils sont 1100. Je les attaque. Comme ça, vu qu'ils sont en guerre. Alors, ils ont combien d'alliés? 6000. On les attaque pas. On va laisser s'entretuer les deux. Et dès qu'ils ont terminé, boum, j'attaque ici. Le but de cette attaque, ça va être, vu que les armées seront ultra basses. J'attaque avec mes alliés, et normalement, soit on leur pique des terres, soit on pique ça. Et derrière, on est bien. C'est pas mal. Et eux, ils sont en normal, et donc ils ont eux comme alliés. Bah, je pense qu'on pourra attaquer eux. Ils sont 1100 de titres, pèlerins. Ouais. Ils sont quoi? C'est des nordiques, c'est des azatrus, pareil. Ou est-ce qu'on irait pas attaquer un peu d'île là vers l'Angleterre? Bah, vers le Royaume-Uni. Ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. De combien de soldats 700. Ah quand même. Combien de soldats ici? Levé 224. Ah oui. Un peu différent. Levé 448. Ah. Combien de soldats 700. Bonjour. On pourrait récupérer ici, hein, commencer à poser notre pied dans le Royaume-Uni, hein, ça pourrait être pas mal. Hein. Il y a qui lui? Alors par contre au niveau d'ici on est quoi? Azatru et Nordique. Et ici on est Azatru et Nordique aussi. Est-ce que je continuerai pas de me développer dans mon continent? Ou j'irai choper un peu à côté? Oh, on va commencer à choper à côté tiens. Comme ça on aura tous les bateaux. On aura tous les pays des petits bateaux. Les petits bateaux. Conquérir le comté. Bah, de toute façon, c'est qu'à compter. Hein. Faire moins de points. Hein. Et du coup, pause. On est déjà en pause, parfait. Vous pouvez appeler des alliés. Non, bah, ça, on pourrait les appeler pour ça. Hein. On va pas se faire chier. Hein. Hop. Ça, c'est bon. Et du coup. Voilà. On va pouvoir lever les armées ici. Hop! Let's go! Hein. Bon, ça va avoir des soldats là! 2954! C'est pas dégueu! Pas dégueu du tout! Puis un peu d'argent, mais ça va, c'est pas le problème. Le seul problème, c'est qu'on va, on saura plus quoi en foutre bientôt!
L'argent. Ouais, quand même 700, c'est pas dégueu, hein. Bah, y'a plus personne. Voilà. Bah, c'est gagné. C'est obtenu 75 de gloire. Et à chaque fois, j'aimais pas. Bah, faut pas comprendre, hein. Alors, un avertissement utile. J'ai reçu une missive du Jarl Eirik de Upland, affirmant que mon attendante, la chef Agita, a demandé de l'aide dans un complot contre moi. Il n'y a rien que j'apprécie plus que la loyauté. Oh putain, mais je vais lui redonner des trucs. Bjornsson. Mais c'est qui? C'est un ami? C'est... On est alliés? On n'est même pas alliés. Très gentil, monsieur. J'aime bien. J'aime bien, il m'aide. Pourquoi, j'en sais rien, mais... Je vais confronter Agissa en personne. On aura l'insulte à l'avantage. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je vais la confronter. Ou à la limite, t'auras un âme seconde. Moi, j'en ai rien à foutre. L'aveu. La chefferesse ne peut que passer aux aveux lorsqu'elle est confrontée à la lettre. Il n'a jamais été sonné. Comment puis-je redresser la situation? Oh la connasse! Oh! Je lui ai donné 2 de mes terres à cette chienne. On était à plus 100. Allez, je lui dis que je la mets Ah oui, il y a vraiment une faction, d'accord. Connasse sur 1. À qui je vais donner les terres ici? Au chef Rolf. Bah vas-y, tu vas t'occuper des terres ici. Tu seras mon ministre. Si je puis dire, mon ministre des mers. Voilà. Voilà. Tu seras mon ministre de l'outre-mer. Alors, les titres, déclarer la guerre, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pays qu'on peut s'amuser à piller? Bah eux, on va les piller, hein. En plus, il y a des sous, là. La vie, on va le piller, ce connard. Levez des pilleurs locaux. Non, on lève tout, on lève tout. On commence à piller. Et piller, du coup, son château, à ce con. Il a osé envoyer des pillages chez moi. Ce connard! Ça a tué mon fils, bah je vais le piller le cul. Je vais le piller. J'arrive, chacal! Je viens te piller! Besoin de sous! Voilà! 19 en plus! Oh le chacal! Les sous! Nice! En plus, on chope des gens de chez lui. Ouais, non, on va arrêter de piller. C'était vraiment juste pour le faire chier. C'était le piller pour le casser les burnes. Voilà, hop. Et on disperse. Voilà. 19 prestige. Je n'ai plus qu'une chose à dire maintenant. Oh, je peux la rançonner. C'est qui? C'est qui? C'est qui pour lui? Oh, c'est juste son seigneur Lige. Dommage. Je vais le garder en réserve face à ça. Je n'ai qu'une chose à dire. Je proclame la création du roi. De quoi ça? Ah d'accord, ok. Je proclame la création du royaume de... Excusez-moi, hein, parce que juste que je vérifie que c'est pas un truc. Non, ok. Je proclame le... Je proclame le... Je sais pas parler. Évidemment, comme toujours. Je proclame la création du royaume de Norvège établi. Oh! Oh! Je suis roi. Oh! Oh! Oh, excusez. Oh! Oh! Je peux vassaliser le Jarl Bjorn. Ah ouais? Tu veux te vassaliser chez WAM?
bien ça. T'es qui? Je peux le vassaliser autant. Il a 800 soldats lui tout seul. Oh là, on va tellement devenir puissant. J'adore le drapeau de Norvège par contre. Vache. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que je lui créerais pas le duché à ce chacal? Parce que j'imagine que c'est plus à son seigneur lit. Je sais pas, voilà. Je vais lui créer le duché des îles et lui donner. J'ai pas les sous. C'est génial. T'as 23. Ouais, mais Bodvar, il va gueuler aussi. Vous avez gueulé tous les deux, hein. Je vais le changer, tiens. On va mettre du coup Hatland. Hatland, il est où? Schaltland. Ah, mais est-ce qu'ils peuvent être. Oh la vache, mon médecin de la cour. Tout de suite. Oh là là. C'est bon ça. T'es bon dans quoi? Ouais, mais t'es pas ouf, je suis désolé. Si elle meurt. En cas, elle a 48 ans. Pourquoi pas? Mais là, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Par contre, il veut se vassaliser. Ce serait pas un vassal ultra puissant, lui? La pousseuse. Langue connue. Nordique et Sami. C'est quoi, c'est un hasard truc comme moi, un nordique, je sais pas pourquoi, je ferais pas. Sachant qu'en plus, je l'avais dit, hein. On faisait la vassalité. Bah, c'est fait. Par contre, là, si je propose la vassalité, on va faire un step-up dans le pays. Ça va être génial. Je suis en moins d'autres prestige actuellement, mais ça, ça doit être à cause du fait que j'avais levé l'armée précédemment. Cour royale. Je ne suis pas dans un gouvernement féodal, évidemment. Évidemment. Et on en est où C'est la culture, ok. Au niveau de réformer le... Ouais, évidemment. Évidemment. Il nous en manque beaucoup. Le blot, le bellicisme, ok. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux réaliser, rechercher un médecin, partir en pèlerinage, développer la capitale, choisir... Ouais, non, ça ira. Adopter un type de succession spéciale. Oh! Oh oui! Vous pouvez choisir une forme de succession élective traditionnelle qui repose sur votre culture. Elle sera appliquée à n'importe lequel de vos titres, du plus haut rang, avec la succession par partage. Ah, c'est cool ça. Si on peut faire ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faudra que je... Comment ça se passe la succession d'ailleurs actuellement? Genre elle sera comment? C'est la Hesse. Alors là on a actuellement 3... mes vassaux m'aiment bien. Je suis pas leur seigneur liege, malheureusement. Succession. Je perds le duché de Handalog et la chefferie de Fjardal. Ok. Je vais peut-être. Je te délois. C'est 1500 pour une élection? Ouais, non, mais c'est. Oui, oui. Moi, je peux pour 300. Ouais, mais c'est qui vote pour celle-là? Qui sont les vassaux de cette zone? Qui vote? Si je vote, qui vote? Qui fait le vote? Je vais tester. Ça peut très mal se passer. Ça va se passer de toute façon. Non, on va pas faire ça tout de suite. On attend un peu quand même. Proposer la vassalité, ça a déjà été fait. Prendre concubine encore. J'en ai déjà une. J'ai déjà une femme. D'ailleurs, mon dernier fils, il est fait avec qui? Avec la reine. La reine Freya. Qui vieillit un peu mal, hein, malheureusement. Désolé, femme. Hein, mais... Folky vous approuve. Ah, bah ça me fait une belle jambe. Excellent. Oh là. Former une culture hybride. Pourquoi? La culture Sam. Ah, c'est parce qu'il fait partie de la culture Sam, ce con. Bah non, on lui fait pas partie de la culture Sam. Ah mais non, parce que je viens de me... Ok, parce que je suis à côté d'une culture Sam. Mais non, t'es malade. Pas de culture hybride, on a dit qu'on partait dans un truc... non. Deux personnes s'attendent à des postes. Rolf. Mais j'aimerais bien, mais je peux pas... Et Bjorn. Oh, si j'avais su, j'aurais pu le mettre en... C'est quand que je peux changer? Dans 10 ans, t'auras un poste. Survie jusque là. Comment c'est qu'il a perdu soldat? Il est en guerre? Il est à 800. Bon, pas chercher à comprendre. Hein. Ok.
Ok. Pour l'instant, on est pas mal. Oh, le middle pad. Est-ce que tu veux te vassaliser? Non. Eh ben, tu vas prendre, tu vas la prendre du coup. Là, hein, tu te vassalises pas, tu meurs. On va changer. Alors, quel point de braniment est complètement obsolète maintenant? Celui-là. Hein. Le déplacer, on va le mettre là. C'est parti. Ah, mais même pas, Bjorn. Oh, je l'ai vassalisé, même pas. Merde. On va l'influencer. Ouais, parce que là, un vassal qui m'aime pas à moins 27. Mais c'est pourquoi qu'il m'aime pas, c'est à cause de la place. Ouais, parce qu'il est pas au. Veux si je conseille moins 40. Cour-règne. Cour-règne, ça fait 26 ans que je suis au pouvoir. Et mec, je trouve que vous avez un règne assez court. Ça fait que 26 ans que vous êtes sur le trône. Oh là. Alors, ça dit des trucs, mais bon. Ok. Alors, je peux l'assujettir. Je vais le défoncer. Ah, il a deux alliés. 1005. Ah, quand même. La chefferie de je sais pas quoi. Oh, mais c'est des pays paumés, là. Je vais vous faire quoi. Et eux, ils ont des alliés. Ah, ils ont pas mal. 1008 aussi. Bon, on pourra assujettir les deux. Hein. On est à 3003 maintenant, de toute façon, donc bon. Déclarer la guerre. Allez, c'est parti. Pour le duché. Bah, le comté tout court, hein, parce que je crois que c'est un comté solo. Hein, ouais, middle pad. Pas besoin de s'emmerder à dépenser trop de thunes. Pas de points. C'est parti, play. Un allié, ouais, bon, ça, j'avais compris. Nice, je me fais aider par des pires. Ok, et il y a une des armées qui va aller là-bas. ~1% seulement pour avoir détruit l'armée. Un peu lèche quand même. Tristesse. Lui, il ramène pas encore son armée. Bon, elle devrait pas tarder à arriver. Ok, donc c'est vrai, c'était l'allié, les trois. Bon, de toute façon, je vais rattaquer derrière. Hein, donc bon, son armée, elle sera à zéro. Vous pouvez appeler des alliés à la guerre. Non, ça j'ai pas besoin. 1100 qui arrive. Oula. C'est qui gère les armées? Ok, Bodvar. Oh, Bodvar, attention, Bodvar, vas-y. Tiens, Bodvar. S'il meurt, Bodvar. Ok, on a mutilé l'ennemi. Parfait. Oh, le défonçage. Combattant ennemi capturé. Ah, il est pas dégueu, hein. Bon, 0 en prouesse. Peu dommage. Mais en martialité, t'es pas dégueu. 50%, ok. Bah, tout se passe bien, c'est parfait. Donc, ils ont plus d'armée là, techniquement. Ouais, 102 sols, 112. Donc, vraiment, là, c'est. Ils ont tout perdu. Hein. Et d'ailleurs, potes, c'était pas la meilleure idée qu'ils ont eue. C'était gentil, hein. C'est très bien. Mais c'est pas la meilleure des idées, quoi. Oh, je peux avoir 5 domaines maintenant. Ouais, je suis roi. Ça, ça fait plaisir. Et toujours que deux titres de duché ou j'ai le droit d'en avoir plus? Là, je vérifie. Ils sont en train de refaire leur armée là, les vieux mecs. Ouais, ils sont du siège. Allez, on y croit. Et bah, c'est gagné. Et voilà, hop. Dispersez tout. J'ai pris en otage le chef Ragnar. Oh. Le chef de la. Otage de valeur capturée. J'ai pris le fils de l'héritier de Ragnar. Oui, mais de toute façon, on a gagné donc. Faible contrôle comptable à la middle pad. J'avais compris, j'avais cru comprendre. Ah, rançonné. Oula. Il veut que lui le. Non, bah non. Bah non, t'as fait le cake. À cause de toi, mon fils est mort, donc tu vas crever. Ton prisonnier il va aller crever dans mes geôles. Mais genre à vie. Ça se passe comment mes prisonniers d'ailleurs? Ah, t'es pas mal toi. Bon, t'es pas ouf en prouesse, mais. À la limite, hein, je te prends. Hein. Négocier la libération. Recruter, exiger la conversion. Il est pas converti le connard en plus, c'est sans Sam. Ah, je l'ai piqué de l'autre! Oh, trop bien! Ah, hop, ça fait un nouveau soldat. Oh!
Oh. Tu viens de qui, toi? T'as Random Guy? Je te recrute, hein? Je me refais des soldats. Et le reste, toi t'es éclaté, hein. Si t'es encore là depuis longtemps, c'était éclaté, hein. Passe à la cour. 1. Et le reste, on s'en fout pour l'instant. Ordinaire plutôt, ouais. Carte du corps, les effets. Ah, je prends personnel. Oh! Pourquoi pas? Allez, Elgi. Donc il va me... alors c'est quoi ça? Redoutabilité indique écran. Ouais. Enfin gagner du prestige par mois, ça c'est cool. Vas-y, Elgi, tue mon champion personnel. Ça me coûte pas trop cher. Ça va. 0,06 d'or. Tant qu'on est même pas à 0,1. Décision pas importante actuellement. Faction, toujours pas de faction. Bah si, il y avait une faction, mais elle est plus. Voilà. J'ai des hameçons sur un peu tout le monde. Lui, je suis en train de lui faire la. J'allais dire, je suis en train de lui faire la cour. Ouh. Oula. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Mes courtisans. Oh la vache! Hush! Dieu est avec nous. Oh my god. Oh, on a Dieu dans les chevaliers là. Oh la vache. Champion, du coup, votre vassal, votre maréchal. Oui. Notre champion, votre champion personnel, votre champion, votre champion, votre chancelier. Non, on a dit non, pas le chancelier. Vous permettre. Allez, on recrute, c'est random. Votre vassal, ok. On a 11 soldats normalement, 11 champions à peu près. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Du coup, on va conquérir Langermaland. À moins que vous vouliez. Non, toujours pas. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des pays qui veulent s'assujettir un peu? Le grand chef Vigu est en guerre. Et toi? Non, d'accord. Moins 18. Peut-être que si j'augmente un peu ma taille, tu feras moins le malin. Donc là, si on leur... Oh, sa femme est morte! Oh, j'ai envie de pleurer. Non, je déconne, j'ai rien à foutre. Eh, t'as de l'enfant, hein, connard. Il a de l'enfant, le chacal. Oh, son fils, il est trop beau. Il est trop stylé, son fils. Oh, j'aime bien son fils. C'est un guerrier saint, d'accord. Un guerrier saint nordique, intéressant. Intéressant. Ouais, 5 000 toujours, hein. Malheureusement. C'est son allié à 3 000 qui fait Yesh. Hein. Ils ont pas encore pris la terre. Ils sont en train de perdre. Oula, je sais pas si c'est vraiment dans mon bénéfice qu'ils commencent à gratter des territoires comme ça. Hein. Après, j'ai 8 000 alliés, donc ça devrait le faire. On va choper Langermanland du coup. Le but c'est vraiment de récupérer de l'argent là. En tout cas ici, c'est un contrit. Un contrit. Personnage à mauvaise conscience. Ah ok. Il y en a du... Oh oui, il a fait de l'adultère. Défier un duel judiciaire. Oh mais il veut rien, il veut rien, c'est un chacal. Prouesse de vous, moins 14. Ah bah ouais, mais t'es drôle. Bah, tu vas crever, hein. Pour le compter du coup, parce que c'est qu'un compter son truc. Hop! Tout lever ici. Ah ok. Ah oh là oh là, wow. Ok. C'est bon, ils sont en train d'accepter le fait de rejoindre mon armée, les cons. Ah, je sais pas qui c'est lui, mais Attendez, c'est pas les terres que j'ai à conquérir? Ah non, c'est les terres à côté, ok. Survivre à un enfant. J'avais tellement d'espoir en vous, mon tendre enfant. Toutes les choses que vous auriez apprises, expérimentées, faites. Il y avait tellement de possibilités, une vie entière à vivre. Peut-être auriez-vous... Eu vos propres enfants un jour, mais maintenant rien de tout cela n'adviendra. Et ah ouais, bah là je suis en train de crever de stress là, oui. Ah ouais, mais en plus, oui. Oh non, bah non, non, non. En deuil pendant 5 ans. Ah ouais, mais les gars, waouh. Deuil non fait. Oh.
Ah ouais, mais non, là c'est chaud, hein. Je viens de perdre pour la deuxième fois mes enfants. C'est pas mal. Ah, j'ai perdu mon premier né et mon troisième né. Bon, si j'ai envie d'être réaliste et honnête, mon troisième né, je m'en foutais parce que ça avait plus se foutre la merde sur la succession qu'autre chose. Mais c'est quand même dommage. C'est-à-dire que mon fils, il aura pas vraiment d'allié potentiel. C'est vraiment... voilà. J'ai, pour l'instant, là, c'est pas avec... Oh, un guérisseur qualifié. Oh, attendez, trop d'infos. Guérisseur qualifié. Bah pas du tout. Par contre, aveugle, c'est Lee Sin. C'est Lee Sin. Moi, un guérisseur qualifié, à d'autres. Hein. En plus, il est estonien, là. Il est estonien. Il reconnaîtra pas notre dieu. Ouais, pourquoi pas. Donc, c'est à dire, ouais, vraiment, j'ai. Pff, c'est pas. En tout cas, c'est pas avec cette génération que j'allais. Comment dirais-je. J'allais. Ouais, ça faudra que je change quand même. C'était pas avec cette génération que j'allais transformer mon. mon putain de royaume. Hein. Oh, Astrid a une fille. Ma petite fille, 2 ans. Oh. T'as intérêt à bien t'occuper, Nyland, hein. Oh, c'est bien. Orvar qui est mort. Ah, ils s'appelaient tous les deux Orvar. J'avais pas d'idée pour les noms. Styr Carson. Ah, d'accord, ils s'appelleront tous Styr Carson. D'accord. What, la dynastie, c'est ma dynastie, mais ok, ils s'appellent tous... Oui, c'est logique. Donc il reste plus que Colbjorn, qui est pour l'instant en santé correcte, qui a un enfant autoritaire, vindicatif et cynique, et qui est considéré comme quoi, parce qu'il y a souvent un adjectif pour donner le personne. Il n'y a pas d'adjectif encore. C'est bizarre. Pas censé avoir un adjectif. Planificatrice sans caractère pour ma fille. Et mon fils, ouais, qui a pas eu le temps d'avoir quelque chose. Ah bah c'est un athée vindicatif. Un athée? Mais... Il y a un problème là. Je suis pas athée avec mon perso... C'est pas un athée? Mon fils est un athée. C'est un scandale. C'est un scandale là. Ah mais c'est parce qu'il est pas encore... oui d'accord ok. Putain il gagne pourtant un 8 par mois. Hein. Et il est athée. D'accord. En tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Agira en vert et... Non, en fonction de sa personnalité. Vindicatif et cynique. Ah oui, merde. Ah ouais. Ah, il est cynique. Piété mensuelle, moins 20%. Il arrive quand même à faire plus du 1,8 de plus. Hein. Vache. Parce qu'il est vindicatif, du coup. Ah merde. Oh, c'est un athée. Quel chacal, mon fils. Mon fils est un chacal. Voilà, c'est voué être dit. Et sa fiancée, qu'à quel âge? Ils ont tous les deux 13 ans. Ok. Ah, ça, quelle intelligence, c'est pour ça que je l'avais pris. Ok. Éducation martiale. Ok. Donc, il devrait bientôt se marier. Ouais, bon, en tout cas, je suis en train de décéder, là. Je suis pas bien. Si, je suis en santé correcte. Ça va. Bon, on va remettre play, quand même. Faut pas déconner. Quand est-ce qu'ils viennent les aider, les autres? Ils arrivent. 744. Faible contrôle comptable. 2... prisonniers peuvent être rançonnés. Oui, tiens, je vais te le rançonner, toi, ça fait des thunes. Occupé, vous pouvez déclarer. Oh, j'ai gagné. Et voilà. Disperser tout. Hop. Eh ben, ça c'est fait. Votre conseiller Bodvar est... Non. J'ai perdu Bodvar. Qui a récupéré les terres de Bodvar? Il avait un enfant? Oh, il avait une enfant! Oh, il a le temps. Ah ouais, une gosse de 4 ans qui a 3 territoires. Ok. Oh, Bodvar, non, pas Bodvar. Oh, oh non. Oh, Bodvar. Oh. Ah bah du coup lui il va être content.
J'avoue, j'ai le seum de ouf. Mais vraiment. Ah, j'ai trop le seum. Tiens, on va donner à Bjorn. Medal pad. Voilà. Votre prisonnier. Oui, bah. T'es drôle. C'est qui c'est... Oui, non, mais non, mais c'est mort. Et jamais je te le rançonne, connard. Ah bah, sale puissance, attends un poste au conseil. C'est qui? Ah oui, mais non, mais plus tard. plus tard. Faible contre Kotal en enguerrement londe. Sans déconner. Bon, ça va, je prends plus 7, plus 007, ça devrait aller. Ah, j'avoue, là, je suis triste. Bodvar, non. Mon allié de toujours. Mon ami, mon frère. Oh. Il m'a jamais trahi. C'était mon ami. Je peux pas faire un truc? Non, ok. Regardez tous ces mecs qu'il avait tués pour moi. Oh, ça c'est le vrai ami. Ah, t'es pas si mal toi. Recruter. Vache, partialité 20. Intelligent. Ah, par contre, ouais, prouesse, 0. Ah oui, merde, il est borné, c'est pour ça. Et donc, le reste, après... Oh, c'est qui, ça? Une revendication. T'es qui, toi? Ah, par contre, c'est une... ah ouais, piété, moins 366. Vache. Vache. Deviens de mes soldats. Torturé, non, je déconne. Négocier la libération, tu vois. Non. Déplacer en résidence, surveiller. Oh. Oh oh oh. En prison depuis 26 ans, voilà. Il avait 21 ans quand il rentre en prison. C'est assez cocasse. Cocasse, cocasse, cocasse. 3373 soldats, ok. Ok, ok, ok. Et du coup, toi, tu veux toujours pas te vassaliser? Non, bah non, évidemment. De toute façon, il est en guerre. En guerre contre qui? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi, ça? Oh, il est en train de se défendre contre... Ah, d'accord! Il y a quelqu'un chez moi qui est en train d'attaquer! Ah, intéressant. Mais ils ont réussi à se défendre. C'est la chefferie de Elgoum. Chez moi, hein, c'est chez moi, ça. C'est chez moi. Et pourquoi tu veux... T'es qui, en fait? Je te connais pas, déjà? Ah, d'accord, ok. Et pourquoi tu te bats? Attaque, nanana, troisième conquête comptable. D'accord. Ah, il veut se... Ok. Oh, tu veux te faire plaisir, mon con, hein. Ok. Bah, écoute, c'est comme tu veux. D'ailleurs, je voulais voir un truc. C'est dans ma foi, dans ma culture, qu'on a envie de la guerre. Genre, mes pays, mes territoires, ils sont contents qu'on fasse la guerre? Ou ils s'en foutent? Attaque des trolls, moins 50. Ah oui, il y a des trolls maintenant, oui. Mais... Je pense que c'est un petit bobard quand même. À assister au prestigieux grand sacrifice. Ouh là là, le grand. Bah, si vous vous en souvenez du grand sacrifice. Oh. Ouais, mais c'est plus vraiment chez nous là. Hein. Au niveau des royaumes, on est comment? Ouais, faut que je finisse la Norvège comme ça, quoi. Faut que je chope ici. Mec, tu défends, tu viens, tu fais comment? Tu viens, tu vassalises? Genre, je te bute, hein. J'aimerais bien le vassaliser, ça me ferait un territoire en moins à faire le duché. Voilà, je pourrais être, du coup, l'assujettir. Ah oui, ouf, ouf. ouais, non, on va l'attaquer. Hein. Ça sera plus classique. Plus classique et plus simple. Oh la vache, Force, Berserk, Vareg. Et les Nordiques, hein, évidemment. Ça, c'est bon, ça. Conquérir le comté. Ah bah non. Le duché direct. Et il a le titre en plus. Ok. Ok. Tout se passe bien du coup. C'est parti, j'arrive. J'arrive, mon bro. C'est l'heure de la guerre. Ok, il accepte la libération. C'est parfait. De toute façon, t'as pas le choix, connard.
C'est soit ça, toi tu restes dans les cales, hein. Dans la cage. On va appeler ça la cage. Ça fait plus festif la cage que les cachots. Salut Guimolé. Alors comment ça se passe? C'est qui lui? Ok, les amis sont là-bas. Ils veulent me pourrir avec 42 soldats, ils veulent faire quoi là? Mais ils sont bourrés. Mais ils feront jamais rien. Ils peuvent même pas me piller ni rien du tout. Ok. Du coup, non, vous allez aller là-bas. Non, tu vas passer par là. Hein. Perdre sans perdre, bon, pas grave. Vitesse 4 en attendant. Allez, allez, allez. Après, oh, c'est qui? Je vais piller par qui, par contre, là? Qui a osé venir me piller le cul? Que je rigole, là. Qui est mon prochain mec que je veux mourir tuer? Oh, intéressant! Des terres anglaises! Des terres... excusez-moi. Des terres d'Écosse, des terres écossaises. Ça ose venir me piller, d'accord. Bon, vous êtes le prochain à mourir, hein, du coup. Hein. Ok. Bon, les dirigeants voisins gagnent et perdent la guerre, ça c'est ok. Qu'est-ce que j'avais de... Qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit un truc. Ouais, il doit être... ce con, il doit être là. Hein. Je peux pas lever... je peux pas lever une petite troupe. Lever les hommes d'armes locales, voilà. On va le punir en fait, tout simplement. Et donc, c'est pas ma femme qui est enceinte, mais c'est ma concubine. D'accord, elle est enceinte, ma concubine. C'est intéressant. Ok. Ok, ok. Premier enfant de concubine. Donc j'imagine que lui aura autant de droits que l'autre ou pas. Ça c'est intéressant. Est-ce que les concubins, vu que tu t'y connais, Guimolet, est-ce que les enfants de concubins ont autant de droits que les enfants d'une femme principale dans les cultures nordiques? Parce qu'à ce moment-là, tu sais, moi je m'étais dit, le problème c'est que si j'ai plein de concubines, ça va faire que je vais avoir plein de gens en fait, et plein d'héritiers, c'est le bordel. Mais s'ils n'ont pas les mêmes droits, ça fait techniquement un peu des alliés gratuits et même des enfants de secours, quoi. Donc c'est... Bon, on verra ça de toute façon quand il sera né. Mais ça peut être intéressant. Un vassal puissant, vous pouvez vous allier. Ok, bon, ça on s'en fout. C'est pas le plus important actuellement. Donc là, ok. Et donc vous allez hop, attaquer là-bas. Petit siège. Je me fais siège évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. À toute martialité. Évidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Vitesse navale, tacticien. Ouais, donc tacticien du harcèlement. Il me semble-t-il, oui. Je sais pas trop jouer les Vikings. Vive la Bretagne. Ah bah oui, bah bien sûr, vive la Bretagne, évidemment. Ah voilà, ils sont morts. Allez hop, ça dégage. On va disperser celle-là. Hein. Siège réussi de Bodin. Culture hybride formée. Ok, bon, ça forme de la culture. Ah, par contre, vous allez pas vous échapper. Hein. Influencer une opportunité. Oui, bah vas-y. Yes! Ah, il veut m'offrir une concubine. Wow, wow, calmez-vous. On veut m'offrir Dorun. Elle a pas de. Ok. Et c'est qui veut me l'offrir? C'est qui? T'es qui, toi? Ah, d'accord, c'est un des mecs que je suis en train d'attaquer. Bah écoute, pourquoi pas, hein? Voilà, Dorun, elle est plutôt mignonne. Allez, on accepte. Je suis un fou, moi je vais avoir plein de concubines cette fois-ci. J'en ai marre de faire le mec qui en veut pas. Voilà, j'assume, voilà. Je suis un viking, je veux des femmes. On veut des femmes. Ok, bon, on va remonter du coup. Et on va attendre que ça termine. 55 jours. Je suis vieux là, j'ai 55 ans, merde. Oh, elle m'a fait une fille. Bah c'est dommage. En fait c'est dommage et c'est bien la fois. Parce qu'en fait si ça avait été un homme, j'aurais pu vérifier ma théorie de est-ce que c'est, avoir une concubine au final c'est pas si grave. Mais le fait que j'ai une fille là, bah ça me permet de entre guillemets me sécuriser au cas où. C'est pareil.
Mais en même temps, ça permet pas justement de vérifier cette théorie. Donc, je suis assez mitigé là-dessus. Audre. Ouais, non, nordique. Hein. Bothildre. Gudrun. Gurly. Saga. Saga. Non, ok. Ir. C'est très bien, Ir. Voilà. Ir, ma fille, Ir. Et on va là. Alors, on se calme. On va la, mettre en fond de concubine. Ah, en fond de concubin, c'est diplomatie moins indirecte. Oh, d'accord. C'est intéressant. On va la mettre en... Ça va être une diplomate. Non, une intrigue. Voilà. Ma fille sera tournée vers l'intrigue. Ça, plus tard, quand elle ira avec un autre royaume, elle me fera des plans contre ma gueule. C'est génial. J'aime l'idée. Et voilà. Alors par contre, je pense vraiment qu'il y a un problème dans ce jeu actuellement. Je pars à l'apéro, bon courage camarade. Mais bon courage et bon courage aussi à défoncer le plateau d'apéro du coup. Il y a je pense qu'il y a un souci parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je gagne une guerre, je gagne pas de prestige alors que je devrais en gagner, ce qui est un peu bizarre. Ok. Les terres, évidemment. Il y a que tes chefferies. On va donner la chefferie de l'eau de ça. Alors, qui a récupéré celle-là? Ah, d'accord, il l'a récupéré lui. Haha, bah oui, mais non, c'est con. Bah écoute, je vais l'influencer. Hein. Et toi, du coup, non. On va l'accorder à. À qui? On va l'accorder à qui? Parce que déjà, dans les gens qui me proposent. Là, à la fin. Alors, j'ai quoi? J'ai ma. C'est qui elle? Ah, c'est ma vassale de 5 ans, d'accord. Elle, c'est une connasse. Tiens, Bodine, c'est pas le même. Hein, pourquoi pas lui donner à la limite, hein? Ok, on va des questions sur le duché. Ce sera un coup à me la mettre dans, à la mettre à l'envers. T'es qui, toi? Je connais pas. Bjorn, pourquoi pas à la place de Bjorn? Bjorn, d'accord. Ah, t'as déjà 3 titres, Bjorn. Un peu beaucoup. Heureusement. Je donne ça à qui? Mon fils est pas assez vieux pour avoir plus de duché. Il en a que 2 déjà. Il en a 4 sur 2. C'est le bordel. Mon maréchal, il en a combien? 2 sur 3, bah tiens, allez hop. C'est fait, c'est accordé. Mon maréchal, il est où? Votre maréchal. Votre maréchal, allez hop. Accordez le titre. Voilà, ça c'est fait. Alors, et j'ai une statue, Pierre. Coût 50. Ah oui, oui, bien sûr. Victoire dans la conquête, évidemment. Quel endroit où j'ai... Bah, en Guermanland, du coup. Ok, ça, c'est fait. Vous pouvez déclarer la guerre. Prisonnier. Ah, je peux emprisonner Grima. Qui est Grima? Une des courtisanes. Fornicatrice. Est-ce qu'elle a de la famille, Grima? Parents et enfants, ok. Bah, je m'en fous un peu pour l'instant, hein. Elle m'intéresse pas. Donc non. Ok, je peux créer des duchés, j'ai pas les thunes. Déclarer la guerre, ok et ok. Ok, pour l'instant on est pas mal. Vous avez connu votre... Ah, vous êtes connu pour votre dévouement à votre foi, dévot serviteur. Ah, c'est bon ça. Et... Ok, alors on est toujours sur la bonne politique, la bonne culture et la bonne... Ah, ah, oh là, 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 attention, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Promouvoir la culture, ça, ok, et ça c'est quoi? Promouvoir l'acceptation culturelle, garde d'acceptation, on en a un, plus 0,066, ok. Et quelle est la différence?
J'arrive pas à voir la différence entre les deux. Ah, en gros, ça va beaucoup influencer en fonction de la stat. Non, je comprends pas. Et qui n'est pas culturel chez nous, en fait? Je crois pas. C'est eux. C'est cette zone qui est pas culturée. Elle est Sam. Oh là 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 là. Ils s'en sont comment? Ils sont Sam, on est d'accord, ouais. Acceptation 21%. Ah non, 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 bah non, hein, non, non. Donc ça fait quoi? Ah d'accord, ok, non, bah non, je veux pas d'acceptation. Donc l'acceptation, je viens de comprendre, c'est le fait de dire je veux bien qu'il y ait et la Sam et la Nordique. Mais vu que nous on fait un RP Nordique pur, et bah les Sam ils vont se faire foutre. Voilà. Et on a donc tout le territoire de Norvège. Hein. Plus un peu celui de Suède. Donc je rappelle, hein, le but ça va être de récupérer toute la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et... C'est chez moi aussi, si? The fuck? Ah non, c'est pas chez moi, je me disais aussi. Quand même. Ça me dérange pas, hein, mais c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, pas encore. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Est-ce que lui, cet enfoiré là, ouais, il a toujours ses alliés. Hein. Ouh, ça commence à récupérer des soldats là. Eh oh. Eh oh là. Mais il est mort en plus, son... C'était pas eux qui étaient au pouvoir. Intéressant. 800 et leurs alliés, 200. Oh la vache, ils ont perdu une alliance. Ils ont perdu une alliance, ils sont plus que 1000. Oh la vache. Oh, c'est bon ça. C'est bon. Et 2003, oh là. Oh là, y a du bordel ici, envahir le royaume. Pas du tout, on va pas faire ça. Assujettir. Oh, ça serait bon de l'assujettir le con. Hein. Aussi je l'assujettis. Est-ce qu'on appellerait pas un petit allié, genre le roi d'Elgi? Oh non, hein, lui... Hein. Lui, on va l'aider pour qu'il réussisse un peu à gouverner dans son royaume. Si je récupère ça, je fais un bon côté de la Suède, là. Attaquant agressif, viking. Mais ah, plus 15. Si j'ai l'assujetti, il va pas aimer. Oh non, il a pas l'air de... Ah non, mais ça va pas être marqué, ouais. Bien sûr qu'il va pas m'aimer. Je vais l'assujettir. Je vais l'assujettir sa race. C'est parti. Alors, comment on va gérer ce bordel? Ce joyeux de bordel là. Là, déplacer ici. Du coup, on va appeler un pote. Mielus. Ah, quand même. Bon, allez. On l'appelle, ça ira plus vite. Et on lève. C'est parti. J'arrive, mec. Ils vont venir par où? C'est ça le problème. Là-bas, ça a l'air d'être leur capitale. Donc j'imagine qu'ils vont arriver par là-bas. S'ils arrivent par là, de toute façon, je peux les bloquer. Hein. C'est pas le problème. Oh, j'ai peur. Je suis en mode, ils arrivent! Non, c'est eux. Attends, je les verrai à mes portes. Le Jarl Sigurd ont formé une alliance. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Le Jarl Edmund pourrait rejoindre le camp adverse dans la guerre d'assujettissement norwegienne/slajanaise. Bah, c'est complètement con d'aller aider en guerre. T'es déjà en guerre contre moi, tu galères là. C'est un peu con, hein. Ah, ça a du 2005-3000, hein. C'est pas si... Pas si... Quoi? Donc, comment ça se fait qu'ils sont... Oh là, c'est quoi ces rapports de force niqués là? Ok, alors. Ah! Quand même! Comment ça se fait? Il avait pas autant d'alliés? Oh, il a dû appeler des mercenaires. Ah! À coup dur là! Non, ça devrait le faire. On va gérer. C'est une blague. Il a fait une alliance avec le Jutland.
Ah, je me fais niquer. Je me fais niquer. Ah, ils ont raison, c'est bien joué. Oh. Le rapport de force, on se retrouve à combien là? Rapport de force est toujours envers moi. Mais hein. Vu qu'il vient de former une alliance, ils vont les appeler, c'est obligé. Quoique, est-ce qu'il a les points pour les appeler? Il a pas les points. Il vient de former une alliance, mais il pourra pas venir les aider. Ah Chouais. C'est bon. On déstresse un peu là. Ça va. Il aura pas le temps, il pourra pas venir. Là, son armée va venir parce que je suis en train de l'attaquer, du coup. Ok, il aura pas le temps, c'est bien. C'est bon. Je vais aller l'aider. Ah si, il a pu rejoindre. Mais c'est dégueulasse. Il a pas les points. Ouais, 6000 contre 4000, je vais devoir appeler un allié. Malheureusement. Oh, ça fait chier d'appeler le roi Elgi. On est obligé, hein. Allez, roi Elgi, viens m'aider, hein. Allez, on va les aider. 3000 contre 4000 si on gagne cette bataille. Ah, mes gars vont pas assez vite. Vite, les gars. Allez, on va aider. On a perdu que 500 soldats. Hein. Ah, ça va être une grosse bataille. Hein. Ok, on a perdu un champion. Malheureusement. Ah! Je viens de perdre le Jarl Bjorn. Oh non, pas mon Jarl Bjorn. Oh là là. Je viens de perdre mes plus gros vassaux là. Et ça c'est vraiment un gros problème. Perdre le Jarl Bjorn là dessus c'est vraiment pas ce qui était prévu. Elki, t'arrives quand là avec ton armée? T'arrives bientôt? Je vois pas tes soldats hein. Ennemi remplacé. D'accord. Mais Elgi, il arrive quand? Il est pas en guerre, Elgi. Oh, il est en guerre. Ça va être drôle. Oh, putain de merde. Est-ce que toi. Upland. On peut pas négocier. Oh là là, ça va être compliqué. Et comment il a fait pour former une alliance? Avec qui il a formé une alliance? Comment il a formé une alliance? Par mariage? Oui, mais comment il a fait une alliance avec l'autre con? Parce que... Ça va être compliqué celle-là. Hein. Parce que là, ces 2007 vont faire mal. Hein. Je peux pas, on est d'accord, je peux pas acheter. Peut-être là que j'aurais bien voulu que les mercenaires soient achetés, du coup. Hein. On peut pas acheter de mercenaires pour ce prix-là. Hein. Ouais, non. Oh, si, j'ai une idée. Est-ce que je peux le marier à de la royauté ou à un duché puissant? S'en forme une alliance en plus, hein. Va falloir, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Malheureusement. 1004. 900. 1000, mais ils sont en guerre. 800. 900, ok. 800. 700. 600. 600. 600. 500. 800. 700. On va y arriver, hein. 12, ah bah d'accord. Eh bah écoute, on va partir sur lui. Oh, c'est un Prussien en plus. Il est pas en guerre. Oh, il a 41 ans. C'est pas très ouf. Hein. Ok, il va accepter. Gros dégueulasse. On se dépêche. Ok. Du coup, alliance formée. Allez, viens. T'as besoin de ton armée, connard. De toute façon, il mourra avant. Ma fille aura le temps de se remarier.
problème, c'est que je voulais l'assujettir pour en faire de mes vassals, mais le fait qu'il est en alliance avec les autres, maintenant, ça me chauffe un peu moins, du coup. Ok, là, on est pas mal. Du coup, Elgi a toujours pas envoyé son armée, malheureusement. Là, on est en train de faire prendre les terres par une révolte paysanne. Ah, révolte paysanne. Bon, qui va se faire mater, parfait. Lui, il a 2700, mais il sait pas quoi faire. Où est-ce que mes alliés en sont? Ok, mes alliés viennent de débarquer. Parfait. Donc, Elgi vient de débarquer. Faudrait que j'aille l'aider, malheureusement. C'est qui, lui? Oh putain, mais il y a des mecs, je sais même pas d'où ils viennent à chaque fois. Ok, ils sont 4009, donc ces deux armées très très fortement. Et où est-ce qu'elle est, l'armée de Elgi? Ouais, mais elle est en guerre. Oh, j'ai dépensé 350 pour une armée qui viendra jamais. C'est génial. Est-ce qu'il a bientôt gagné sa guerre? Pas du tout, il est à moins 14. Ouais, mais le rapport de force est niqué là en fait. Ouais, j'ai pas le temps. Va falloir qu'on aille niquer les autres. C'est le seul moyen de gagner. Va falloir aller aider. Bon, là, mon pote il est en train de gagner, donc ça c'est pas mal. Waouh, ils sont trop, ils sont trop. On est plus que 2003 là. Allez, viens m'aider avec tes 600 hommes là. C'est compliqué tout ça. Hein. Voilà. Non, on retourne en arrière du coup. On est 1008 là. Ah oui, attaque améliorée, évitement améliorée, évidemment. Comment on est là? 1008. Ouais, mais c'est ça. Oh là là. Je comprends pas, c'est qui lui en fait? D'accord, je viens de les attaquer, mais ils sont pas en guerre avec moi! Je suis trop con. Je les ai attaqués, ils font pas partie de l'armée que je dois défoncer. Ils sont en guerre avec eux. Ok, donc ça fait un mois à taper déjà. Ok. Venez là, on va passer par là. Ok. Bon. Ok, mon fils est fin tacticien et guerrier sain. Oh ouais. Oh, mon fils, il en envoie. Alors par contre, on va pas faire la même erreur. Hein. Interdire d'aller en guerre. Et on envoie la proposition de mariage du coup. Ouais, Lucky, là, faut que tu viennes m'aider, mec. Hein. Ok, on est 2005 là, ça devrait le faire. On va aller le défoncer lui. Oh yes, ils se font défoncer par d'autres mecs. Oh, la joie. La joie. C'est qui lui? Je sais pas. Ah ok, il est encore en guerre avec d'autres mecs. Oh, la joie, la joie. Ok, ils sont là-bas. Faut repartir en arrière. On part là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Lecture alternative. Non, piété bien sûr. Toujours la piété. Allez, faut que les mecs ils viennent avec moi là. Allez, on vient les gars. On va les taper hein. Ok, là ils vont se battre normalement. Oh, on reste tranquille. Eux ils se font pas partie de nos ennemis, faut aller là-bas. 2007, allez hop. Venez les mecs, on est 3100 en tout. Normalement ils devraient suivre mon call. Ça devrait le faire. K plus 7, pourquoi? Défenseur contrôle la cible de la guerre. Ouais, faut absolument qu'on pique ça. Hein. Oh, héritage de la dynastie, bien. J'avoue que j'hésite. Non, on va quand même faire au moins le premier.
qui est sans noble, évidemment. Merci pour le follow, Roidboy 629. J'espère te revoir sur les prochains lives, ça ferait extrêmement plaisir, merci. Allez les gars, faut venir, hein. On se bouge les fesses. On sort les doigts du huc. Oh bah je gagne tout seul. Pff, même pas besoin. Rah, allez, ça dégage. Ça dégage. Et du coup, on va aller prendre la cible, hein, maintenant. On va s'occuper de la cible. La cible qui est celle-là. Hein. Et on se fait piller, évidemment, par... c'est qui, lui? T'es qui, toi? Par un enfoiré, d'accord. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Ok. Là, on s'en fout, parce que de toute façon, ils sont en guerre. Donc, on va laisser ces deux se taper, mais il faut vraiment qu'on ait récupéré ça. Parce que le problème, c'est que là, on est en train de perdre des points. Et le but, c'est vraiment de récupérer la cible. Comme ça, de toute façon, on est devant ça. Et lui, c'est... Oh, mon fils! Non! Mon fils qui est en train de défendre ses terres. Et il se fait démonter le cul. Nice. Pour le Valhalla, c'est ça, exactement. Exactement. Pour le Valhalla. Oh là, 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 chacal. C'est mon médecin de la cour, ça. Oh là, médecin réputé 3 étoiles, excusez-moi, monsieur. Hein. Oh la vache. Oh là là. Monsieur réputé, hein. Ouais, d'accord, qu'ils vont pas venir me battre. Me battre. Ouais, d'accord, ok. Eux, ils sont vraiment en guerre avec... ok. Oh là là, un nouvel atout martial. Oh là là. On va prendre les mercenaires moins chers. Hein, parce que j'avoue que là, là, ça aurait été bien utile si j'avais pu. Je le ferai au cas où. Mais ça va. Mais j'ai été con, en fait. J'ai attaqué eux. Et j'étais pas obligé. J'ai mal géré le truc. Là, c'était moi. Si je meurs, j'irai boire avec mes frères tombe au combat et après des dieux. Ah bah tellement, tellement, évidemment. Évidemment, malheureusement, deux de mes fils y sont. Hein. Bon, mon fils de 2 ans, malheureusement, n'y est pas. Mais mon fils de 18 ans y est allé. Il est mort en voulant... En fait, on s'est fait piller par cet enfoiré qui habite là, cet enculé. Et il m'a pillé et j'ai voulu me venger en détruisant les pillards, donc en empêchant le truc. Et malheureusement, mon fils est mort lors de la bataille. Parce que comme un débile, j'ai oublié de désactiver de la garde. Malheureusement. Mais bon, il est au Valhalla maintenant. Il peut se vanter de cette bataille dans laquelle il a eu un rôle. Ah, on connaît la même tristesse de famille alors. Ah ouais. Le chef. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ma deuxième concubine vient de tomber enceinte. Oh là, ça commence à être le bordel là. Ouais, parce que j'ai 2 concubines, évidemment. Bon, c'est pas drôle. 35 ans, t'es pas un peu... Non, non, ça va aller. Ok. Ouais, ouais. Bah écoute, j'aimerais un fils pour l'expérience, une fille pour assurer, mais... Ah, mon cœur balance. Expérience, assurée, expérience, assurée. Sauf que moi, mes 3 garçons et une fille morts au combat. Ah, écoute, pour le Valhalla, du coup, hein. Évidemment. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Paix blanche. Salutations au roi de Noregre. Plutôt de Norvège, un connard. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. Le mec veut faire une paix blanche. Et oui, pour le Valhalla, bah évidemment, j'ai 11 enfants, ça passe. Ah, ça passe. Le mec veut faire une paix blanche contre moi, parce qu'en fait, je l'ai attaqué. Je voulais l'assujettir, je crois. Ah non, c'est juste celui. J'étais en train d'assujettir son chef. Bah non, mais tu crèves, hein. Eh non, mais... Décliné, mon bro. Jamais je fais une paix blanche. Nous, vikings, ne nous arrêtons pas avec des papiers, là. Non, non, tu meurs, hein. Par contre, il va falloir peut-être, du coup, que je finisse la guerre avant les autres. Sinon, ils vont récupérer le territoire avant. Et ça serait vraiment pas dans mon intérêt. Oh, j'ai perdu un siège. Chiant. Oh, le plus 60, il fait plaisir là. Et donc, on va aller défoncer Trou de Balus là. Wow, wow, wow. On va aller donc par là. On va aller par là. Allez, suivez-moi les mecs. On a la cible pour l'instant, donc ça c'est bon. Va falloir juste vérifier les côtes au cas où. Parce que s'ils remontent sur la cible, ça va être chiant. On a plus 60, donc de toute façon là, on a le point. Donc c'est bon. On va aller par là pour vérifier. Je pense qu'il y a... Ouais, en vrai, ils vont remonter, c'est obligé.
On a le point, donc en fait on peut rester tranquille. Ils vont remonter. C'est obligatoire pour eux. Ok, il y a 500 soldats de l'armée. Ok. Qu'est-ce qu'ils font du coup? C'est assez intéressant, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc tous ceux-là, c'est pas des mecs que je vais battre, hein, parce qu'ils sont en guerre avec les mecs avec qui je suis en guerre, donc... Je pensais les 3 personnes. On va voir ça. Oh, c'est qui? C'est qui toi? C'est qui pour elle? C'est qui pour toi? Ok. Et toi, t'es... Allez, on va faire des thunes quand même, parce que j'ai envie d'argent. À qui? Ah, un fils. Et des papiers que je sais pas lire surtout. Ah oui, pas bête. Oh là là, trop de RP. Je sais pas les lire, les papiers. Loyon Freya. Torun a donné un fils. Ok. Comment on va l'appeler ce con? En Styrkar, c'est moi. Pourquoi pas un... Non, pas un nom d'ancêtre, pas encore. Surtout que si Styrkarson, oh là là, les Ragnarsson, on en a déjà donné. Hein. Sorgvir. Allez, pourquoi pas, tiens, Sorgvir. Et du coup, mon fils, alors pause, qu'on va élever dans la guerre, évidemment. Éducation maritale. Martiale. Maritale. Éducation maritale, évidemment. Hein. Non, c'est pas drôle. Allez, on est pas mal. Ouais, mes alliés sont là, mais comment on va gérer le truc? Ah non, ils ont dû revenir sur leur terre, les cons. Plus 50, ouais, on a perdu quelque chose. Les connards. On se fait attaquer où en fait? Ah oui, trop de RP. Bah oui, bien sûr, évidemment. Ah, mais il est venu! Nice. Ouais, mais en fait, je pars sur quoi là? Bon, on va aller là-bas, hein. On va aller foncer connard, hein. Non, par là, quoi. Allez, hop. On va aller te foncer, connard. De toute façon, on a l'objectif, donc ça c'est le principal. Oh, il est là. Oh là là, oui. Non, eux ils font. Non, eux c'est juste des. Ok, on s'en fout. Ouais. Ok. Puis elle a attaqué là. Hein. Oh là, ils sont là, ils sont là. 4005. Ok, on va les rester tranquille. Là là là, attaque, 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 attaque. Attaque mon bro, attaque mon bro, attaque mon bro. On attaque par derrière, pas derrière. Ils ont pas d'armée par derrière. Oh les cons. Faut que ça vienne m'aider là. Oui, parfait. Viens m'aider. Viens m'aider, on les défonce. On les défonce. Ils sont pas venus m'aider, ils sont nuls. Aïe aïe aïe. Vite, faut reprendre le truc. 53. Combattant capturé. Et éminente personne. Ah bon? Ouais. Passable, hein. Oui, marital avec les bateaux, c'est ça, évidemment. Évidemment, t'as tout compris. Quoi? Mais... Wow, pouni, 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 pouni. Alors, on se décale. Alors, je tiens à vous rappeler, parce qu'il vient de se passer un truc, c'est incroyable. J'ai une concubine qui a 35 ans. J'ai 56, hein. Je commence à porter mon âge. Je viens d'avoir mon enfant de concubine. Mon deuxième. Et la concubine qui venait de tomber enceinte est re-enceinte. Elle a même pas besoin du truc qui fait fécondité plus 30% la meuf. C'est n'importe quoi. Putain. Oh là là. Par contre elle comme... Si si ok. Toutes mes femmes m'ont donné un fils au moins. Un enfant. Waouh. Oh regardez comment il est beau mon fils. Oh là là, la beubare. Oh là là, c'est beau ce qu'il nous fait là. Je crois que ma concubine m'aime un petit peu trop. Elle aime faire des trucs. C'est après c'est dans son droit. Hein. Elle est là pour ça à la base. Hein. Eh ben ils sont battus. J'ai perdu un de mes champions. Nice. Allez, c'est reparti. Ok, on va les suivre. Hein. Le but c'est vraiment de les arras. Parce qu'on a l'objectif. Ça c'est cool. Ah, on a le Vestfold qui est occupé. Merde. T'as allé faire un tour du coup. Hein. On va les suivre.
On va les harceler là. Venez, venez, ramenez votre cul. Je vais vous défoncer. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut les défoncer. Pas encore. Oh là là, les autres. Non, 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 non. Ah, oh, il y a les autres cons qui passent d'avant. Oh non, 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 je suis pas ivrogne. Allez, bon, et vous savez quoi? On va être un stressé de la vie, mais je m'en fous. Je vais endurer. Je suis un homme, un vrai. Comment on en fait plus? Votre gloire est connue. Nice. C'est bon, ça. Ah, bah, c'était contre eux qu'on est en guerre, en plus. Oh, bah, c'est bien, je sais défoncer. Tiens, toi, 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 là, 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 là. Là, viens, 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 viens. Viens ta race, toi. Viens ta... Les gars, venez m'aider, par contre. Oh, non. Ah, 62 ans, quand même. Dommage. Un de mes alliés est mort. Tristesse. Ouais, mes alliés. Oh, il va venir m'aider trop tard. Oh, c'est bon. Comment on la perd, celle-là? Comment on a fait pour la perdre? On était plus qu'eux. D'accord. Eh ben écoutez, une défaite est une défaite. Ton beau-fils, ouais, c'est ça, mon beau-fils. Il est beau, c'est mon fils, c'est mon beau-fils. Votre prisonnier, le chef Kari. Freydis. Une fille. Oh là là, putain, j'y enchaîne les filles par contre. Hein. Oh. Afrid. Afidre. Parfait. Pause. Ok, donc j'ai... déjà il y a deux chefs qui sont capturés. Ok. On va les... on va mettre l'armée en pause ici. Le but ça va être remonter les troupes. Hein. Ah bah tiens, bon, on va récupérer et comme ça on va remonter les troupes. Ah mais non, mais ils vont récupérer la zone. Oh, faut y aller, on est obligé d'y aller, sinon on la perd. Et là c'est la merde. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Comment on va pouvoir gérer le bordel? La guerre se passe. Se passe quoi. 3004, on est 5000. Ça devrait le faire. Allez, go. Ça va être compliqué. Hein. On peut relever de l'armée ou pas? Non, on peut pas. Hein. C'est où les autres alliés? Faut venir. Hein. Allez, on se lève, on se met tous ici. Hein. Venez, venez, venez. Voilà, allez, hop. On se lève, les gars, on y va. Elle guide et puis mon champion personnel. Ah! Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là! On est en train de me draguer! On est en train de me draguer! Non, mais non! Non, mais non! Me drague pas! Me drague pas, Jacqueline! T'es moche! Oh, là, là. Attaque, elle attaque, elle attaque, les gars! Oh! Ils viennent pas! Ils ont pas suivi. Ils ont pas suivi le call. On la gagne celle-là. Faut la gagner, faut la gagner. Oh, ça se joue à rien. Allez les gars. Allez. Allez. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Oui. On l'a gagné. Oh, c'était hard. Oh. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, caramba! Oh là là, c'était chaud! Ah, par contre, il y a des gens, ils sont en train de mourir de partout là! Ouais, toutes mes connaissances, bien sûr, elles ont mon âge quoi! Oh, c'était compliqué là! Waouh! 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 Donc, ils ont réussi à prendre cette zone. Hein. Westfold. Chiant. Ah bon? T'es qui toi? Ah oui, c'est mon fils, merde! T'es qui toi? Ton fils. Ah ouais. Ok. Je vais être obligé malheureusement, mais je vais demander des mercenaires.
Ouais. Recruter 700 hommes, ils vont nous aider. Et on va les faire reprendre la zone ici. Allez hop, c'est parti. Un nouvel art de martialité. Waouh, 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 waouh. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Trop de trucs. Contrôle absolu. Allez hop. Mon bow face. Ok. L'armée, elle est en train de reprendre un peu des couleurs. Elle reprend des couleurs, parfait. C'est le but. Remontez un peu votre nombre. Eux, ils vont aller prendre la zone. Ça, c'est parfait. Eux, ils se baladent. 69%. On est bien, on est bien. On est bien de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai oublié de me mettre tuteur de mes enfants. Je suis un connard. J'ai oublié de tutoriser mes enfants. Peut-être pour ça que mon deuxième fils a pas eu des notes de ouf. Hein. Je le tuteur pas. Éduqué par... L'odeur me frappe avant de la porte. Un autre meurtre, monsieur. Dit Folky qui s'essuie les mains ensanglantées sur un tablier tandis qu'il se lève après avoir examiné le corps. Devant arrêter ce tueur. Ah ouais, ouais. C'est... Il y a des meurtres dans le château, d'accord. C'est intéressant. Écoutez, hein, ça arrive. Hein. C'est les choses qui arrivent. Tout ce que j'ai à dire. Ok, ils ont assez d'hommes. Ils ont assez d'hommes. Parfait. Quoi? Mon fils commet des meurtres dans le château? Mais non, mais pourquoi mes fils ils finissent jamais bien? Ils meurent tous ou alors c'est tous des chacals du cerveau? Putain, pourtant ils sont pas encore consanguins. Waouh, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Et eux, ok. Ils sont toujours bien les cons, malheureusement. Ok, ils vont aller aider mon... C'est qui gère cette armée? Ils vont aller aider Snorri, parfait. À reprendre nos terres. Ça, c'est cool. Le problème étant, c'est que j'ai peur qu'en laissant la capitale, je me refasse attaquer. Je vais aller prendre la capitale Visby, je pense. On devrait le faire. Ah non, d'accord, ils vont aller prendre d'autres choses. Ça se passe bien, le siège passe très bien. J'ai peur par contre que ça vienne attaquer un moment. Je sais, j'ai aucune info sur les ennemis, ça m'énerve. Pas d'info, rien du tout. Oh, le roi Helgi arrive avec son armée. Enfin, le roi Helgi avec ses 3000 hommes que j'attends depuis un an et demi. Oh mon dieu, Helgi. Oh, Helgi le god. Helgi sait quand arriver au bon moment. Donc du coup, on va rançonner les autres en attendant, parce que maintenant j'en ai rien à foutre. On fait de l'argent, hein. Ah oui. Oh, ça fait plaisir de ouf. Oh, les 3000 hommes qui arrivent là. Oh. Oh là, ça, attendez, parce que là, oh. Ouf. Je suis, par contre, faut que je me mette un nouveau. Je vais me remettre un nouveau champion personnel du coup. Oh, t'es fort toi. T'es un génie toi. Génie incompris. J'ai que 5 champions, je suis en train de perdre. J'ai perdu tous mes champions, c'est chaud. Tiens, toi tu viens. Alors, maréchal, champion personnel, champion, vassal. J'ai plus aucun soldat. On va faire un appel. Pourquoi je peux pas? Ah, il manque trop de points. Nice. J'ai plus de sous. J'ai plus de points, j'ai plus rien. Plus de points pour rien. Siège réussi. Nice. C'est bon ça. Allez, petit siège là-bas maintenant. Je fais piller par quel connard. C'est la deuxième fois qu'il me pille ce chien. Ah, je te jure, je vais venir te niquer. La vie, je vais venir te niquer. On va faire gaffe, hein. Faut faire gaffe. Oh putain, ils arrivent. Ok, Helgi a bientôt fini son truc. Normalement, on devrait avoir assez, je pense. Avec les deux avant qu'il récupère la cible. 8 mois pour la cible, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Vous en faites pas, ça va le faire. Le mec paye du stress. Ça va le faire, ça va le faire. Avec les gouttes de sueur qui sont en train de tomber là. Ça va le faire, tout ça, ça c'est. 92, c'est bon, on l'a. On l'a, n'est-ce pas? C'est bon ça. On a gagné, c'était ultra compliqué. On a failli se faire défoncer. Tiens, en attendant, parce qu'on sait qu'on a gagné, on va lancer quelques constructions.
capitale. J'ai plus de points de prestige, c'est génial. On va pas lancer de construction du coup. Connaissance Alfidre est morte. C'était qui? Maison Bolton. Pas une maison ouf, hein. On n'a pas gagné. Oh là, attendez, parce que là, ça pue. Elgi, faut... les gars, faut que vous me suiviez là par contre. Va falloir me suivre. On va se mettre sur la côte. J'espère qu'Elgi va suivre. J'ai peut-être un peu parlé trop vite. Parlé un peu trop tôt. Elgi, tu. Ok, Elgi me suit, parfait. Elgi me sonne là. Ah, oh, ils vont la reprendre. Putain, j'ai été con. Faut aller. Faut falloir y retourner. Va falloir y retourner malheureusement. J'ai été un peu con. Quoique, il y a peut-être moyen. Alors, attendez, parce que je viens de découvrir une fascination avec ma culture, normalement. Ok, faut rechanger une nouvelle, là. Découvert la motte de beurre, évidemment, hein, comme on connaît tous. Grand public. Non, non, pas du tout. Allez, registre. Par contre, là, ça va être short, hein. Donc, les mecs viennent m'aider. Il y a une petite triade espagnole qui arrive. Allez les mecs, on se bouge. Elgi, viens m'aider. Oh, oh, il est venu m'aider à la dernière seconde. Wouh. C'est gagné ça. C'est gagné, c'est gagné. C'est gagné. Ah merde. Bon bah Fasti est mort, hein, du coup. C'est con, j'étais en train d'influencer un mec depuis des années et... On va la perdre. Non. On va la perdre. Ah le scandale. Ah bah quand je suis pas chef des armées ça pue, hein. C'est con compliqué. Ah ouais vraiment je suis pas chef des armées, c'est la hesse, hein. Ouais, bon, de toute façon, là, ils vont pouvoir rien faire. On va pouvoir remonter. On va fusionner les deux armées. C'est parti. On va pouvoir y retourner. Tranquillement. Les autres devraient pas tarder à me suivre. De toute façon, là, ils peuvent rien faire. Ah, on est remonté à... Quoi? Ah oui, bataille perdue, moins 26. Ah ouais, d'accord. Ça va, tranquille, ça se met bien. Ok, on va y retourner. Les autres me suivent. Les autres me suivez. On va faire un, on va faire un petit rassemblement ici, hein, cette fois-ci. On va pas faire les kékés. Ça me suit, ok, parfait. Comment tu mets un bouclier derrière un perso? Bah ça j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense que ça se fait automatiquement en fonction de. En fait, ça dépend de ce que maîtrisent les gars, parce que tu sais, tu peux avoir des moments où ils maîtrisent des armes spéciales, et je pense que c'est en fonction de la maîtrise de l'arme. S'ils maîtrisent l'épée bouclier, bah ils mettent le bouclier, quoi. Tout simplement. 57 jours, on va le perdre malheureusement. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Vous me suivez? Mais. Ok, ils sont cons. Un éminence gay est arrivé. Ah, ils sont cons en fait. Ils sont cons, ils sont cons. Ils viennent plus m'aider là. Ok, je vois. Ouais, malheureusement, ils vont pas venir m'aider. On repère. On perd la ville. Oh là là, on la perd alors qu'on a plus, moins de ça, on a plus de soldats quoi. C'est une tristesse. J'aurais peut-être dû attaquer, ils avaient 100 soldats de moins. Wow, non, non, non. Non, non. Non, non, pas du tout. Ah, mais ils l'ont récupéré. Ah bah oui, bah non, bah on la récupère alors. Oui, oui, bah oui, bah là. Non, en fait, vous avez été intelligent, les gars. On la récupère, oui, bien sûr. Bien joué, les mecs. Sorry, j'ai été con. Ah oui d'accord, on a plus 10... ah ouais, bien. On va jamais la réussir cette guerre. Et t'as 92 à un moment et là. Oh oui. Oh. On a gagné. On a gagné. Oh la vache. Oh, on a gagné. Oh mon dieu.
C'était trop compliqué. Bon, lui, il va falloir que je l'influence sa mère. Pendant 20 ans, là. Mais on a gagné. On peut monter jusqu'à 6400 soldats. Oh là 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 là. Ah bah là, on est bon, hein. On est bon. Des vassaux puissants attendant une place au conseil. Ah oui, bah alors toi, oh oui, oh oui. Alors là, Sigurd, je te mets, mais tout de suite. Voilà, comme ça, on est qu'à moins 9, c'est parfait. On est content. Qui veut d'autre? Agita. Ouais, mais t'es chiante. Bjornstron, Bjorn mon cul. Oh, t'es bon, toi. Oui. Tout de suite. Et Kolbjorn, c'est mon fils. Ouais, mais malheureusement, t'es nul. Déclarer la guerre à 29. Titre peut... Ah, les titres peuvent être créés. Nice. Parce que là, il va falloir que j'en fasse des titres. Hein. Alors, qui m'aime pas? On va le faire comme ça. Hein. Qui m'aime pas? Qui aime pas ma gueule? Ou qui veut pas me donner ses tributs, en gros? Le Jarl, pourquoi? Puisque ton titre... Puisque son titre principal est nanana... Les gens de ce royaume. Ok, royaume de Danemark. Bon, bah ça, c'est pas pour tout de suite. Malheureusement. Le duché d'Egalfiki. Allez hop, c'est créé. Donc j'imagine qu'il va me dire j'ai trop. Tenir un grand blot. Et... Oui, on va faire un blot. On va faire un blot. Un gros blot, c'est mort. Voilà. J'ai trop de titres, on est d'accord, hein. Trop de duchés possédés, voilà. Bon, déjà, on va créer les duchés et après on va les gérer, hein. Donc, maintenant, tu m'aimes bien. Parfait. Duché pour Agita, le duché de Halogalan. On peut le créer. Alors, ça, c'est fait. Du coup. On va pouvoir distribuer les duchés maintenant. Toi, t'as quoi? Ok, toi, t'as des terres ici. C'est pas mal. Je vais te donner un duché. Voilà, je vais te donner ça. Tu auras le duché d'Egdalfik. Merde! De machin, voilà, t'as le duché de machin. Voilà, parce que moi je. Merde. Du coup, j'ai encore trop de duchés. Ouais, j'en ai trois. Il y a les duchés d'ici, d'ici et de là-bas. On va donner le duché ici, du coup. À. Non, le duché. Quitta. Ah, bah, Rolre. Oui, bien sûr. On va donner le duché. Alors, attends, c'est où? Non. Non. Voilà. Eh bien voilà. C'est parfait. Comme ça, mes duchés, bah, mes, du, mes, de, mes, mes vassaux qui voulaient que je sois duc à certains endroits, ils s'en ont plus rien à foutre. Vous pouvez transférer la chefferesse Agita au Jarl. Oui, bien sûr. On transfère. Comme ça, elle me donnera plus. Bon, on perd du tout de suite, mais au moins les gens sont contents. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, les relations, ça se passe comment? Donc, moins 9 pour lui, plus 100, plus 61, 0. Ok. Et je suis déjà en train de faire un complot d'influence avec elle. Toi, t'es qui? Ok. Ok. Là, on est pas mal. Je gagne 5-5. Je réattends juste que mon argent remonte et je pourrais commencer à faire des travaux. On est pas mal. On est pas mal pour l'instant. Pas mal du tout. Du coup, la Norvège, ça commence à faire la Norvège. Ça commence à faire une bonne terre. Hein. Oh, le Jutland, ils sont en guerre. Oh, ouais, ils ont plus que 1800 soldats. Bah, c'est ça de me faire la guerre. Hein. Je vais leur démonter le cul. Ah, mais non, je vais leur démonter le cul à eux. Oh LOL. Alors là, je vais me faire. Ah, mais bien sûr. Ah, oh, mais attendez, attendez, attendez. Attendez, parce que là, il y a quelque chose de cocasse qui est en train de se préparer. Quelque chose de très cocasse. Bon, déjà, surtout, on va appeler des nouveaux champions, parce que bon... voilà. Non, je vais pas les prolonger. On va lever des soldats.
Non, on va. C'est où? Prisonnier. Prisonnier, celle-là. C'est pas lui. C'est lui. Ah, c'est con ça! Voici le fils du mec qui a fait tuer mon fils. Est-ce qu'il prendrait pas pour son père? Je vous pose la question dans le chat, tiens. Ça va être intéressant. Est-ce que vous pensez, alors, je vous répète, cet homme, c'est le fils de quelqu'un qui s'est allié à mes ennemis plusieurs fois et qui, à cause de son pillage, a fait tuer mon fils. Il est mort pendant pendant la défense du pillage. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que cette colère est morte avec le père? Est-ce que je dois tuer l'enfant, le torturer, le tuer et voilà, l'humilier? Ou est-ce que la querelle est morte avec le père? Je libère, comme ça il est content, et je le vassalise. Je le tue ou je le. Ou je le. Ou je le. Voilà. On s'en fout ou on s'en fout pas? Là est la question. Oh, toi, je te libère et tu deviens de méga, toi. Toi, t'es bien, toi. Recruté. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soldats qui peuvent. T'es qui, toi? Je sais pas qui t'es. T'es pas mauvais en plus. Allez hop, recruté. Ah, donc je le fais buter, ok. On aime les gens comme ça. Qui son principal héritier? Sa sœur. Ok. C'est dommage que je peux pas lui dire négocier la libération, mais tu me donnes ton territoire. Ça serait tellement bien. Non, je vais l'exécuter. Oh, exécuter des gens, ça me donne de la piété. Oh, ah bah oui, on va exécuter tout le monde. On va exécuter tout le monde. J'étais pas au courant, mais on va exécuter tout le monde. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Exécuter. Allez, hop, tu dégages, connard. Voilà. Malheureusement, t'as eu la mauvaise famille. Ok, j'ai peut-être été un peu con, parce qu'autant ils avaient plus d'alliance, autant la fille a eu une alliance avec... oui, évidemment. Mais ça va, j'ai une armée conséquente, ça va le faire. Alors, par contre, je vais retourner dans les cachots du coup, parce que c'est excellent. Oh! Il fait partie d'un de mes gars? Bah non. Exécuté? Toi t'es qui? Exécuté? Toi t'es qui? La foi catholique, nanana, est considérée comme hostile. Oh oui, exécuté. Eh bah des génial! Oh, je suis en train de monter ma piété. C'est incroyable. C'est trop facile de monter la piété avec les Vikings. Oh la vache, c'est trop bien. Ah parfait. Peut emprisonner les criminels. Pourquoi? Ah bah c'est pas mal les adultères, ça, madame. C'est pas bien. Je peux l'affronter pour de l'argent. Oh, je peux la révoquer. Oh, je peux la révoquer. Elle est jarle. Ah, mais elle m'aime bien, plus 61. Ah, c'est assez intéressant comme question. Ah, alors, en train de full pille. Oh, non, on la garde, elle pille. C'est très bien. C'est très bien. Vous êtes numéro 1 dans la ligne de succession de quel titre? Ah, des chefferies? Bon, tamponne. Et Folky. Bah non, Folky, non. Folky, il est sympa, Folky. Il est sympa. On va peut-être niquer eux, hein. Ils ont quand même fait une alliance pour nous baiser. Par contre, on va faire des. On va mettre un point de guerre. On va enlever le vert. Déplacer. Et on va le mettre là. Ça, on peut lever des armées plus facilement. Et on va partir sur du play. Et on va peut-être faire du pillage. Tiens, pourquoi pas un petit pillage? Un petit pillage en terre. En terre par là, ils ont combien de soldats? 200. Bah tiens, on va piller là-bas, tiens. J'ai envie de faire du pillage. Ça fait longtemps. Ah! Voilà. Le sang, évidemment. On veut goûter du sang. On va piller. C'est parti. Tout lever ici, oui, bien sûr.
Hop, on va mettre ça là. Bonsoir, salut Eptiel, comment ça va? Expiration proche du contrat. Oui, bah ça, on a compris. C'est pas le problème. On s'en fout. À Martial. Oh là là, attendez, il y a trop d'infos. Superviseur. Allez hop. Ah, encore plus de traits pour le roi. Et on va se mettre en. Ah, les mercenaires de papier. Attendez, parce que là j'ai un problème. Mercenaires, ils dégagent. Merde. Je les ai pas demandé de se lever, eux, hein. Ah, c'est chiant. Non. Voilà. Détacher les soldats embauchés. Hop, on va partir en pillage. Et c'est parti. La forme et toi. Bah, ça va bien. Ça va bien, tout va bien. Et c'est plutôt agréable. Quand tout va bien. La plupart de mon or et de mon prestige ont été récupérés. Ah, bah oui, mais merde, oui, j'ai lancé du pillage donc ça a annulé. Putain, quel con. J'étais un peu con là-dessus, c'est pas grave. Ah, ça a déjà été pillé, merde. Oh, d'accord, cette région, c'est le pillage à fond, là. Vache. Tout était pillé par là. Ok. Allez, on part faire du pillage, ça devrait le faire. Du coup... J'ai assez d'or pour refaire des constructions. Et ça, c'est important. Un petit marché pour plus de thunes. Et on va faire en... Ici... Bah, j'ai plus de thunes, donc on va attendre. Enfin, marché pour les thunes, mais on a plus de thunes. Il y a 15 à piller ici. Oh, bien ça. Ça, c'est cool. Ici, ça a été pillé. Ici, ça n'a pas été pillé. 600 soldats. Malheureusement, on va en perdre un peu sur le chemin. Compagnie mercenaire dissoute. On s'en fout. Je sais pourquoi d'ailleurs. Pour combien? 15. Ok. 15 aussi là-bas. On va y aller. Pas un peu mieux que 15? Oh! Feu et sang. Kital, un important bastion de en Kital, Kitilia, est tombé aux mains de mes pilleurs. Pillage récent. Ah bah oui! On s'en fout, de toute façon, c'est des terres qu'on n'ira jamais. On n'ira jamais dans ces terres. Parce que ce ne sont pas des terres nordiques. Qu'on a rien à faire là-bas. On va se faire des couilles. Je vous dis, on va se faire des thunes. Ça va être incroyable. Ah là là, ça fait plaisir. Combien? 15 encore, ok. Est-ce qu'il y a des terres avec un peu plus de 15? Parce que bon, 15, c'est marrant en 2 secondes, mais... Mais quand même. Ah oui! Sculpture religieuse! Oh! Si vous remplissez les conditions... Malheureusement, je ne remplis pas les conditions, parce que j'imagine que ça doit être des conditions religieuses de leur culture. Mais prestige plus 0,05 par mois. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, on va embaucher en prévenance un antiquaire. Ok. Pas ouf. Antiquaire moyen. Bah écoutez, pas trop le choix. Hein. Est-ce qu'il y a des endroits qui n'ont pas été pillés quelque part? Là-bas c'est du 7, 45 jours. Là-bas c'est du 19. 1300 soldats, ça va, tranquille. Hop, on va y aller. Et ensuite, je pille tout le monde. Je vais me faire un milliard d'ennemis, ça va être le grand bordel. Mais c'est pas grave. Prisonnier rançonné. 10, allez hop. Ah mince, j'ai oublié de mettre play. Attends pour moi. La gare de Vareg. La gare de Vareg. Au moment où mon chevalier Ogmundr vient me voir avec son plan, il semble déjà avoir pris sa décision. Servir avec les Vareg
à Miklagar apportera de la foi et la richesse. T'es qui, toi? Mais c'est mon antiquaire! Mais connard! Oh, vas-y, tu me saoules. Mais putain, je viens de mettre un antiquaire, j'en ai plus. J'ai envie de crever, j'en ai marre. Oh, j'ai que des mecs qui sont terribles pour être antiquaires. Oh là là. J'ai plus vraiment de cours, moi. Ma cour, elle est petite. Oh, courtisan 21. Ça va? Y'a pas un qui va être antiquaire? Oh là là, c'est la tristesse. Je peux qu'avoir des antiquaires terribles, terribles. Chez Fraisse. Rancé pour combien? 25. Exécuter, ça me fait gagner quoi? Oh! Oh, j'exécute! Je suis vraiment un chacal, c'est chaud. Mais c'est drôle, c'est drôle. C'est réaliste, c'est réaliste. On est pas là pour l'argent, on est là pour les thunes. Ouf. Oh, elle est incroyable ma phrase. On n'est pas là pour l'argent, on est là pour les thunes. On n'est pas là pour l'argent, on est là pour la guerre. La guerre et la fame, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Allez, il y a bien des trucs à récupérer. 3 pièces. Oh, 19 pièces là-bas. Oh là là, on va aller faire un tour par contre. 19 pièces. Wow. Oh. Eh. Je capture le fils héritier de trop de balles là. 100. Oh. Oh oui. Oh, je te rançonne. 100 pièces. Ouf. Je suis riche. Je suis riche. Oh la Jarl Freya, elle a pris cher là. Ouf. Et voilà. Allez, on va rentrer au pays quand même. Voilà. Et elle peut se vendre pour combien? Se vendre 10. 10. Bon allez, on va les rendre quand même. Le but c'est pas de faire notre chier. Lol. Le but c'est pas d'être casse-couille. Et le mec il fait des raids de partout. Ah, je m'adore. Je m'adore et je me déteste à la fois, c'est assez bizarre. Au pillage, on va ramener 114 et... Oh là là. C'est bon ça. Là, on va pouvoir faire des constructions. Et on va tenir le grand blood du coup. Le grand blood que je voulais faire. Construction actuellement. On va construire un marché. Et des palissades. Où est-ce qu'on va construire les palissades? On va construire les palissades ici. Hop. Et voilà. On n'a plus de fame, on n'a plus rien, mais on sera protégé. Et ça, c'est le plus important. D'accord. Donc au niveau là, piété, on est pas mal. On est pas mal. Ah, quelles sont les nouvelles infos? Ah, et mon fils, évidemment. Mais je l'aime bien, mon fils. Hein, je l'adore. Hein, mais. Intégrer le titre, c'est-à-dire. Ah, c'est intéressant ça. Permet d'intégrer le titre à mon titre de jure. Ça, les mecs, ils ont envie de me la mettre, ils me la mettent moins quoi. Parce que combien de gammes ne me prêtent pas encore assez allégeance? Il y en a un, chez Fraisse. C'est vrai que j'ai le duché de Uplonde. Et lui pour... Parce que je suis pas roi de Glanmark. Oui, ça je m'en souviens. Ok. Ok. Il commence à vieillir le con. Hein. Oh là! Oh son enfant! C'est un poète. Un poète homosexuel. Hein? Attends, quoi? Hétérosexuel et il y a un mariage homosexuel? C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est très très intéressant.
Je m'y attendais juste pas. Écoutez, je peux pas m'attendre à tout. Ouais, on va quand même rester sur quelques années de paix, hein, parce que là, un peu compliqué. Actuellement. Ouais. Les levées, ça c'est toujours bon. Et on est toujours bon là-dessus aussi. Ok. On va attendre le grand blot. Hein. Mais je vais attendre de remonter un peu en prestige. Ah oui, j'ai un objet maintenant. Attends pour moi. Oula ! Oh ! C'est incroyable, j'ai récupéré trop de trucs. Armure en écaille flexible. Oh ! Oh là là ! Ah, par contre, c'est incroyable. Là, on va gagner du prestige, mais à ne plus savoir quoi en faire. Ah, par contre, je viens de gagner 3 de prouesses avec ça. C'est vraiment très bon. C'est très très bon. Voilà pourquoi j'adore les pillages. On récupère plein d'artefacts. Et mes concubines qui n'ont pas fait de gosses depuis assez longtemps. Je suis assez content. Ma femme qui... Oh là là, elle est en train de décéder. Hein. Ma femme qui est une ivrogne. Ah, c'est pas mal ça. J'avoue, je m'y attendais pas. Mon fils qui est guerrier saint. Oh là là. Oh, mon fils. D'ailleurs, mon fils qui va tout récupérer du coup. Hein. Succession. Ah non. Ah bah oui, mais non. C'est vrai, j'ai oublié, j'allais sortir qui est là. Il va rien faire. Hein. Son terrain, c'est ça. Mon fils récupère tout le reste. Donc bon, t'es marrant, mais tu vas servir à rien. Il se fera bouffer. Je le ferai vassaliser et puis ce sera tout. Hein. Du coup, ok. Est-ce qu'on irait pas repartir sur une petite guerre? Parce que ça fait longtemps. Hein. Tiens, toi, t'es random. Tu te vassalises? Non. Ah bah tu vas crever. Voilà, tu te vassalises pas? Non, bah tu vas crever. Pourtant, elle a l'air sympa. Hein. Mes enfants, ils ont des femmes. Et mon fils qui a eu qu'un gosse. J'ai une petite fille, tu me tiens pas au courant. C'est un chacal. Mon fils est un chacal. Mon fils, il a une petite fille, je suis pas au courant. Oh. Non, ça se passe comment au niveau de ma dynastie? Oh la vache! Oh, ma fille, elle a eu 3 enfants. Mais c'est trop bien. Elle est magnifique, ta première fille, Irène. Oh non! Oh, ma fille s'est convertie! Oh la traîtresse! C'est pas bien ça. Ma fille qui est un fiancé qui a 48 ans. C'est génial. Mon fils qui n'a pas encore de fiancé et ma fille non plus. En faire une porteuse de bouclier. Ah oui, ça permet d'offrir des stats. Waouh, trop bien. Ah mais c'est pour les... Ah d'accord, ok, c'est un job pour les femmes. Ok. Ah, c'est sympa. J'ai quel âge? 61 ans. Ouf. Ouf. En train de subir là. Commence à devenir compliqué là. Et eux, ils sont toujours alliés avec beaucoup plus de monde maintenant. C'est assez intéressant. Genre si on leur... Déclare la guerre, c'est sur combien? 3004. Ah oui, ouf. Évidemment, ils sont alliés avec eux. Eh merde, j'aurais peut-être dû attaquer au moment. Ah non, non, par contre, on va attendre que le bleu y finisse, du coup, hein, avant de repartir en guerre. Qui m'aime pas au niveau de mes vassaux? Je vais commencer à influencer quelqu'un d'autre. Lui, il a plus 44. Il ne donne pas encore ce qu'il devrait. Hein. Et ça, c'est normal. Plus 58, plus 13. Ok. 5009. On est pas mal. Oh, qu'est-ce qui se passe? Athlétique, oh! Oh, je vais devenir athlétique. Yeah! Athlétique, ça va permettre d'avoir une meilleure santé. Yes, santé correcte. Je me sens bien. Parce que je suis athlétique. Et j'ai un confident et tout va bien. Un dirigeant voisin gagne la guerre. Ah, lui a gagné la guerre. Ah, bah tu vas la perdre maintenant. Ah, je la fais à qui?
Allez, on va la mettre à la noblesse. Ça fait plaisir. Du coup, le blot est terminé et on va pouvoir attaquer eux. Hein. Parti. Hein. Déclarer la guerre. Ah, les revendications du Jarl. Ça coûte cher. Au Carl Duché. Celui-là, tiens. En plus, il est en train de se monter, donc faut que je le casse maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On peut appeler des alliés à l'aide. Oh non. Pas besoin. On va envoyer eux sur eux, d'accord, en attendant. Allez, vas-y, viens de battre, mec, viens de battre. Viens de battre, kabatté, là. Hein. Ça va le faire. Parfait. Tout est bien, là. Personne de blessé, la bataille était ultra tranquille. Pas de blessé, pas de mort, pas de rien du tout. Et on va attaquer celle-là. On va améliorer la vitesse. Vitesse 4, ça devrait le faire. Bâtiment achevé, avant-poste commercial. Nice. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Négocier une alliance. Mon petit-fils de quelle lignée? Ah! Mon petit-fils qui est en train de gérer les bails de l'alliance, allez, on accepte. Mon petit-fils a des couilles, j'aime ça. Il a des balls d'oser me parler, mais. C'est le mec, il ose me parler, mais c'est cool. Siège réussi, parfait. Hop, on va aller prendre l'autre. Pendant qu'il siège. Bloquer un atout martial. Oh là là, j'en ai trop. Atout martial. Du coup, on va faire. Conçu pour la destruction. L'extension du complot visant à assassiner la princesse Erna est découvert. C'est qui? Princesse Hermenue de Francie. Ah, je suis son geôlier? Mais c'est qui? Je comprends pas. Mon maître espion m'a annoncé une grande nouvelle. Bien que nous sachions pas encore qui, quelqu'un planifie d'assassiner un assassin contre ma prisonnière, la princesse Hermantrude. Mais je m'en fous. Ah, c'est la fille du roi de France? Elle est combien? Ça fait combien de temps qu'elle est dans mes geôles? 50 pour 25. On verra après la guerre. Quoique si c'est après la guerre, non, ils vont pas vouloir. C'est intéressant comme truc là. Combien? 250. Ah mais logique, je vais contre la famille française. T'es qui toi? ?250 points de piété si je tue la fille du roi franc. Bah de l'ancien roi franc. C'est chaud. C'est chaud mais c'est bien. C'est excellent. Excellent. C'est excellent. Je l'avoue, je suis tout excité. Trop d'infos. Je fais piller par le Jutland, mais ils se foutent de moi le Jutland, hein.
Ils ont de la chance que je viens de disperser. Bon, allez, on va disperser l'armée quand même, parce que bon. J'ai 6. On va donner du coup. On va donner ce titre. Pour 250. Ouais, je vais l'usurper. Hop. Je vais l'usurper et je vais le donner à... à qui? Qui je vais bien pouvoir donner un titre de... Votre intendant, votre vassal est champion. Wow, comme toi. Potentiellement, non, ça c'est mon maréchal. T'es qui toi? Ah, mon petit-fils, non, je déconne. Quoique. Hein. Ah, j'ai enfin un petit-fils! Ah, je vais l'éduquer. Ah, la vie, je peux pas l'éduquer, j'ai trop le seum. Je vais laisser mon champion l'éduquer. Je suis heureux, j'ai un petit-fils. Non, si je le donne, il va vouloir récupérer. Ça, c'est chiant. J'ai pas des mecs que j'aime bien dans mon entourage. En fait, j'ai envie de voir dans mes vassaux. Est-ce qu'il y a que des mecs avec des chefferies, en fait? Parce que je pourrais les, entre guillemets, les promouvoir, quoi. Maréchal vassal. Oh, toi, t'as déjà une, t'as déjà un truc. Accordéa. De mettre espion et vassal. Non, toi tu meurs. Elle, c'est une vassale. Ah, elle a qu'une chefferie, elle. D'accord. Excusez-moi, madame. Oh, j'ai une idée. Je vais la marier à mon deuxième fils. Je peux pas? Oui, mon fils. Ouais. Alors là, je comprends pas. Où est mon fils? Votre petit-fils, votre petit-fils, votre fille. Votre fils. Bah avec toi, connasse. T'acceptes? Voilà. Ok, ça c'est fait. On sort pas une alliance baisée, mais c'est pas grave. Et du coup, on va lui donner la chefferie. Quoique. Ah oui, non, merde. Voilà. Oh là là, trop d'infos, trop d'infos. Vous pouvez renseigner à la princesse, oui. Peut-être prisonnier, non. Titre peut être créé, oui. Votre vassal puissant, votre, vous pouvez vassaliser la chefferesse Bordis. On va voir. Faible contrôle dans les comtés de Skara et de Västergötland. Ok. Un vassal puissant s'attend un poste au conseil. Ah mais mon fils, t'es pas assez fort. Ah, tu saoules. T'es pas assez fort. Quand il sera mort, Olfr, ce que j'espère pas de sitôt, tu pourras prendre une place. Quel pays? C'est elle qui veut se vassaliser? Oh, mademoiselle. Vous êtes stérile. Dommage. Je le vassalise, hein. On a grandi le pays. Ah, le... Voilà, on a grandi, on a grandi. Fait piller par qui? Wow, 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 trop d'infos, trop d'infos, trop d'infos. Se fait piller, bon, bah toujours par le même trou de balle. Oula. Excusez-moi. Je m'agresse moi-même mes fils. J'aime m'agresser moi-même. C'est un plaisir, vous savez, qu'un petit plaisir coupable que j'ai. J'aime m'agresser, voilà. C'est tout. Je peux remettre une pierre runique, évidemment. Un de vos comtés recevra... Ah, ok. Ouais, on va en graver une. Oui. On va le faire où? Skara, un de ces deux-là.
Ah, Västergötland. Allez hop, ça c'est fait. Du coup, Ça y est, moins 46. Ça y est, moins 117. Ça y est, moins 8. Oh. Elle, je vais pas l'attaquer du coup si elle est presque. Ah, l'Upland, oh là. Oh, 5300 soldats, ça va ça. Ah, oh, ils sont en train de gagner une guerre contre la Finlande en plus. Ou l'Upland, c'est assez compliqué là. Faut faire attention, ils ont combien d'alliés? Si je déclare la guerre, 7003, j'en ai 10000. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ah, culture hybride Vespo-Blarmienne du Royard. Ok. Le Royard. Votre pays perdra les terres à la mort de certains vassaux. Je vais lui arranger un mariage. Comme ça, on garde les terres. Tiens, toi. Allez hop. Refus. Pourquoi? Il est pas assez bien, mon pote. Quelle connasse. Mes potes, en plus. Un mec pas trop vieux. Ah, j'ai personne à qui je peux la marier. C'est chaud. Tiens, mon petit-fils, tu veux pas? Ah bah non, le but c'est de canceller ta dynastie, bien sûr. Pourtant, c'était un bon compromis, lui. Hein. Tristesse. Pourquoi elle veut pas? Elle a des titres, il en a pas. Évidemment. Bah écoutez, on perdra les terres, on les récupérera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faudrait qu'elle se trouve un homme, mais putain, elle est pas facile, hein. Ah, on va pouvoir influencer quelqu'un d'autre. J'ai déjà 100. Moins 1. Moins 21. Pourquoi? Je peux pas l'influencer, il est trop jeune, c'est vrai. Bah, je vais l'influencer, elle. Hop, ça c'est bon. Est-ce qu'on partirait pas raid un peu vers les pays? Oh ouais, on va raid là-bas pour se venger. Oh, ça serait magnifique. On va raid là-bas, tiens. On va raid. J'ai envie de repartir en raid. Ah, les fiancés peuvent se marier. Quoi? Ma fille s'est remariée, mais à un random? Ah non. Ok. Écoutez, hein. Ma fille fait ce qu'elle veut maintenant. Vous pouvez déclarer les guerres. Les cris peuvent être, j'ai pas les thunes. Les armes, on les fusionne. Quoique, on pourrait faire deux armées qui vont. Ah, quoique, on va séparer les deux. C'est un dé en deux. Les deux vont se mettre en commence à pied. Commence à pied. Toi, tu vas aller piller. Là-bas. Et toi, tu vas aller piller. Là-bas. Alors on va se mettre bien, alors grosse partie de pillage là. Du coup, donc ma petite, ma fille s'est remariée. Mm-hmm. Oh, j'ai tellement d'alliances. C'est le bordel. Et comment ça se passe? Qui s'est marié avec qui là? J'ai pas compris. Fiancée, donc elle est pas mariée. J'ai pas eu le temps, j'ai... Non, c'est juste qu'elle s'est remariée en fait. C'était fiancée, mais il a... Ah d'accord, elle était fiancée avec lui parce que son mari était mort et... Ok, waouh. Je t'avais autorisé à te marier comme tu veux, toi? C'est étonnant. Et donc, toi, ok.
je fais un tout dans mon. Désolé, je fais un tour dans mon arbre dynastique parce que je suis perdu. Elle s'est remariée, ouais, mais elle aura plus rien à voir avec la dynastie Amalayenne. Avec qui j'ai. Avec son fils, avec lequel j'ai un. J'ai une alliance. Sorak Vossam. Stirkar. Ok. Ma conjointe a tiré de ses gueules. Ah, Yvron, ça l'a pas arrangé, hein, la pauvre. Elle était belle à une époque. À une époque, elle était belle. Maintenant, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse et bourrée. Y'a plus rien qui va. Une éminente invitée est arrivée. Oh là. Curie a une revocation sur la chiffrée de Alzinglad. Elle est poète et aveugle. Mais fornicatrice. Ok. Ok, madame. Si vous voulez. Par contre, au niveau de mes. Ah, j'ai plus de chance. Ouais, ok. Alors, deux secondes. Invité des champions. Hein. Parce que là, c'est chaud. Le pays perdra des terres encore. Ça, je sais. Et le Jamtaland de Afreya. Elle a des enfants. Ah, mais c'est encore une alliance. Bah, bien sûr. Bah, écoute. Ah, 1100 soldats quand même, hein. Ah ouais. On peut pas proposer de rejoindre la... Non. Oh. Oh, je peux le séduire, ça ira. Peut-être que je propose la vassalité derrière. Écoutez. Écoutez. Ok. Ah, c'est sympa en fait de vassaliser les mecs sans guerre. Mais après derrière, quand ils sont morts, c'est le bordel. C'est bon ? Ok. Un champion est arrivé. Oh la vache ! Oh ! Ah ouais, mec, ouais, tout de suite. Tu coûtes cher, mais t'es fort, hein. Oh mon cochon. Mon cochon. C'est bon, ils ont pris ? Ok. 15 là-bas, on va les prendre. Ah bah c'est bon. Votre conseiller Sigurd est mort de vieillesse. Qui était mon conseiller de quoi? Ah, mon intendant. Merde! Toutes ces années de travail pour rien. Du coup. Eola. Pas te marier? On a trouvé un intendant qui est fort. Ah non, y'a vraiment personne, hein. Merde. Bah écoutez, je vais devoir mettre mon fils, hein. Il va être content, il aura une place. Mais bon, c'est pas ce que j'attendais. Malheureusement. On gagne des batailles en attendant, hein, écoutez. On va se fâcher avec la moitié du pays, mais moi je m'en fous. Allez hop, on pille, on pille, on pille. Ah! Apportez-moi généreux butin, évidemment. 4, 16, 16, parfait. 0, 15, je l'ai pas vu lui. Neuf, 17. 25, wouh!
Alors, j'ai une offre. Rançonné. Le petit roi d'Ilme. Ouais, il veut son. C'est quoi? C'est son fils? Allez, vas-y, je te le rançonne, je suis gentil. Bon, si les mecs veulent faire des trucs, hein. Donc à venir, mais ils vont pas kiffer, hein. Allez, on en fait un dernier. 0. Bon, on va rentrer, allez hop. Oh, stop. Ouh. On va rentrer. Et donc, rançonné pour 25, accepté. Prisonnier libéré. Oh, ils sont 1100, nice. Pour emprisonner des criminels. Ok. Connaissance Astrid Red et... Quoi? Ah non, putain, je croyais que c'était ma fille. Oh, j'ai cru qu'elle était morte. Oh, j'étais pas yimbe. J'étais pas bien. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, oh là là, on vient de se faire des thunes. C'est bon, ça. Moi je vous dis, on fait des travaux là. Non, pas ici. Parce que ce sera pas récupéré par mon fils, malheureusement. Par mon premier-né, en tout cas. Et on va faire une nouvelle construction qui va être ici. Je sais pas pourquoi je suis en guerre avec eux. Pourquoi? C'est qui? Ok. Ah, ok, il y a déjà des constructions ici. Malheureusement. Tiens, on va faire des constructions dans la capitale ici. Très bien. Très bien. Ah non, je perds ici. Ah oui, je perds tout ça. Je comprends. Attaque de la chefferesse Evie. Qui vient d'où? Ah non, elle est en train d'attaquer, d'accord. Elle est en train de gagner. Je peux pas révoquer son titre. Si, je peux révoquer son titre, ça n'est pas considéré comme un acte de tyrannie. Ah bon, j'avais pas? Ah non, pour un de ses titres. Révoquer le titre et je ne suis pas considéré comme machin, ça c'est parfait. Ça va me permettre de remettre quelqu'un à la place et derrière de pas perdre les titres. Ça fait plaisir. Et voilà. Nice. Oh là là, débloquer trop de trucs en d'un coup là. Ok, elle est plus chez moi, donc je mets mon chancelier, elle, comme ça elle est contente. Trop de terrain. Alors, on va donner le titre à qui? Au niveau de mes vassaux, ça passe comment? Qui m'aime bien déjà? T'es qui toi? Pourquoi tu m'aimes pas? Veux siéger au conseil. Haute autorité tribale. Trop de duchés. Seigneur Lich, je détiens un duché de Jure. Ah! Écoute, tu sais quoi? Voilà, t'es content? Voilà, plus 100, voilà, casse pas les couilles maintenant. Arrête de faire chier. Ok. Ah, par contre, je suis content d'avoir eu un hameçon, là ça m'a bien aidé. Donc je vais pouvoir construire chez elle. Bah, chez lui maintenant, comme prévu. Un marché. Et ici, une salle de... J'ai plus de prestige. Une salle de j'ai plus de prestige. Le pays perdra des terres à la mort de certains vassaux. Ça je sais, mais bon, ils sont que 400, on s'en fout. Faible contrôle comptable, je sais. Un vassal puissant Satan. Mon fils. Ah. Ah mais tu sais pas pour plus. Hein? Non, c'est pas mon fils lui. Oula, j'ai eu peur. Pour mon fils, il a pas 59 ans mon fils. Des titres peuvent être créés. Des duchés, je peux déclarer la guerre. 28 personnes, criminels. Et on est bon.
Pas mal. On va attendre un peu parce que là, les 7000 soldats, faut qu'on les lève. Hein. Vache. Je prends regard tout le temps, je vais jamais réussir à lever mon armée, moi. Est-ce qu'elle veut bien maintenant? Tu veux bien? Et moins 15. Oh! Jusqu'à ce que la mort nous sépare, je me demande comment un cœur peut supporter une telle souffrance, c'est impossible. Pourtant je suis là, le cœur battant tandis que le vôtre s'est éteint. Oh Freya, mon amour, la vie ne sera plus la même sans vous. Ça veut dire quand même que... j'ai perdu 3 personnes de mon vivant. Ma femme et 2 de mes enfants. Je vais partir en dépression, c'est chaud. Oh, je vais pas me retrouver une femme, j'ai 65 ans, c'est pas le moment. Une petite Juliette de 17, non, je rigole. Je garderai au cas où si j'ai besoin de former des alliances. Jutalan, 3000. Oh, ils sont en train de perdre la guerre. Oh, oh, oh yes. Ah, ils sont en train d'attaquer là. Smalan, 300. Ils sont en train de perdre la guerre contre eux. Ils sont à 2003. Comment ils font pour avoir 2003 soldats avec juste ça comme territoire? Ah, ça me tue. Ils ont pas d'autre territoire, on est d'accord? Non, d'accord, ok. Et vassal, tu dis non? Moi, 44, ça va. Je m'attends à pire. Ok, ils sont alliés. La Scanie, c'est chez moi. Attends, il est en guerre contre la Scanie? Il est en train de se battre contre lui pour le titre. C'est il y a 6 Kurdes 2. Alors ça se passe comment là? J'ai pas compris. C'est en train de se battre pour le titre. D'accord. Comment ça se passait s'il gagne? Il va récupérer toutes les terres? Ça me paraît niqué comme affaire. Oh, bah, de toute façon, s'il fait le cake, moi je le défonce. Hein. Dommage. Emprisonner des criminels. Ok. Ça m'a l'air complexe tout ce qui se passe là. Hein. On va peut-être choper ça. Combien? 500. Bon. Il m'aime pas du tout. Parfait. Éclairer la guerre. Ah merde! Oui, ok, je comprends. Où sont mes points d'attaque? J'ai un point d'attaque ici, on va le changer. Je vais le mettre là. Et eux, ils ont toujours des alliances. Oh la vache, plus en plus d'alliances les cons. 3007, oh ça va. Alliés 1002, 1000 et 500. On est 4006. Après combien de différences? 900 de différence. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Hop. On va enfin se venger. Ça devrait très clairement le faire. La vassalité qu'elle veut presque, hein, mais moi je la veux pas. Juste le compter, hein, c'est qu'à compter qu'elle a. Allez, c'est parti. Chef Resbordis influencé. Oh, il est foncé. Ça vient ou quoi? Putain, ils avaient mis longtemps, hein. On va agrandir les deux. Ok, alors, elle est quoi, elle? Elle est habile, généreuse et gourmande. Sa beauté, c'est classique. Elle va me dire, oh là là, mais vous voyez que ma beauté. Appliqué, oui. C'est très bien appliqué. J'aime beaucoup. Ils viennent défendre, mais ils se sont défoncés.
Yes, on a tué un mec. Nice. Ah, venez vous battre, hein. Il vient de se battre à la suite. Il est en train de les défoncer. Et voilà. On va enfin avoir un pays vraiment homogène avec ce truc là qui sera plus là. Du coup ça se passe comment? Ah non d'accord, il est juste en train de revendiquer le la chefferie en fait. Je comprends pas. Ah d'accord, en fait ces deux là sont alliés, il est en train de revendiquer là. Putain c'est vrai que je me disais aussi pourquoi comment il fait pour m'attaquer. Ok. Ouf. Ah je comprenais pas. Je suis en train de suer là. Mais c'est bon, j'ai compris. Je gagne plus 7-2 par semaine, par mois, c'est incroyable. La piété, je gagne pas mal aussi. Hein. Mon fils a combien de piété? 400. Il n'a pas beaucoup de prestige par contre. Allez. Puissance emprisonnée. Oh là là, oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Trop d'infos, trop d'infos. Ça dégage. Allez. Tu payes. Trente jours. 19 en plus. Parfait. D'ailleurs à savoir, j'ai pas des trucs dans l'inventaire, on est d'accord, j'ai rien eu de nouveau. Non, ok. Réparer. On va dépenser un peu, on va réparer. Hein. Et voilà, c'est gagné. Ok. Du coup j'en ai un de trop, on va donner donc cette terre qui fait partie du duché de Vikin à mon fils. C'est à côté de chez lui hein. Quoique, qui est propriétaire du... Alors duché de Vikin, ça englobe tout ça, qui est propriétaire chez là? C'est mon fils. Eh ben on va lui donner. Le Jarl, je sais pas qui là, il est où? Là. Voilà, et on va lui créer le duché pour qu'il l'ait. On peut créer un titre, Vikin, gérer, que je vais accorder donc à mon fils. Et voilà. Comme ça, plus de contrôle sur ses terres. C'est parfait. Ok. Et le Jarl qui s'attend toujours à une place, de toute façon il a 60 ans, il va bientôt crever. Il m'énervera plus hein. Ok. Ah, mais je sais pourquoi j'ai perdu des soldats. C'est parce que ma femme était morte et qu'elle m'aidait à l'effort de guerre. Ok. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live. Voilà, 2h30 de live. C'est plutôt sympathique. Je remercie tous ceux qui sont venus pendant le live. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à RudeBoy629 pour le follow. J'espère te revoir sur des prochains lives. Ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, on aura bien avancé. Malheureusement, on ne sera pas encore mort. Hein, je sais que vous vouliez ça parce que vous êtes des mauvaises personnes. Mais ça, c'est autre chose. Non, on a vraiment bien avancé. On a réussi une bonne revendication de terre qui s'est très bien, qui a été très compliquée, mais qui s'est au final bien déroulée dans mes terres. On a réussi à fonder le pays de Norvège en faisant la Norvège actuelle. On devrait plutôt bien réussir à récupérer la Suède. Là, on est déjà en train de commencer à gratter. Et un peu le Danemark aussi qu'on est en train de gratter ici. En tout cas, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. J'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve demain pour un prochain live. Alors, sur quoi? Ça sera surprise. Je décide pas à l'avance. Mais bon, ça sera soit du Crusader King, soit du Inazuma Eleven. En tout cas, merci d'avoir été là. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis bonne soirée à vous. Allez, à plus.